Hello, hello, bonjour, bonsoir, il y a du monde? Est-ce qu'il y a du monde? Hello, hello, allô, allô, allô. Bon, comme d'habitude, le jeudi maintenant, c'est Gars qui pense sur Rivas en studio pour le stream, tout ça, tout ça. Bon. Alors, on va de suite lancer. Et c'est pas grave, go! Bon, on en était où là? Je suis complètement perdu. Salut Pierre Le Breton. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'appelle Pierre Le Breton parmi nous? C'est cool. Bon, on en est où en vrai? Ah, est-ce qu'on voulait pas aller en bas? Ah non, ou on peut plus. Non, on peut plus, je sais plus. Je sais plus où on va. On va regarder une vraie carte déjà. Ah, le masque! C'est vrai qu'on avait ça à faire! J'avais complètement zappé! Eh bien, on y va en vrai. Mais faut y aller à pied. C'est relou ça. À moins que j'aille à la station de l'arène et j'essaie de monter de suite. Non, on va essayer de descendre. On va voir. On va essayer juste de. Oh, je sais pas. Tant pis, on va tenter de descendre à Verchemin. Depuis Verchemin plutôt. Go 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 go. Bonsoir. Bon. La semaine dernière, on a vachement bien avancé, tellement que j'ai joué pendant plus de 3h30. Ah. La 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 la. C'est pas grave, on s'enfuit. On s'enfuit vers là-bas. Je préfère passer par là parce qu'il y a moins de monstres. Paf. Et maintenant, on en est où? Décidément. Ce qui est bête, c'est que depuis que j'ai augmenté mon arme, c'est que la quantité de mana que je gagne sur les monstres n'est pas augmentée, elle, par contre. Je sais pas si ça va devenir un problème, mais. Tant pis. Attendez, j'ai envie de... On va aller au banc et j'ai envie d'aller voir quelque chose. Parce qu'il y a vraiment une personne qu'on n'a pas vue depuis... Un sacré moment. C'est, je veux voir si le fait d'avoir rempli des contrats de chasse, ça peut nous aider pour la suite ou pas. Il est où? Oui, il est là-bas. Ce serait intéressant à savoir. Off. Alors. Bonsoir, monsieur. Coucou. Ah, votre journal s'est rempli et s'élargit. Il ne vous reste plus que quelques bêtes rares à traquer. Cherchez dans le recoin du bonhomme, complétez le journal et gâtez votre. Ouais, je pense en fait c'est il faut vraiment que je trouve tous les monstres du jeu. Et dès que j'aurai fait ça, je pense qu'il va me filer un badge ou peut-être un pouvoir. Genre... Oh, punaise. Je ne sais pas. Ah, c'est vrai qu'on peut nager dans l'acide. J'avais complètement oublié ça aussi. Allez, on est reparti. On est reparti tranquillement. Ah, quand j'essaie de faire un truc, ça fonctionne jamais, c'est beau. C'est bizarre qu'il y ait juste ça là. Non? Non, c'est pas bizarre, pardon.
Est-ce que maintenant je peux tuer ça maintenant que je peux nager? Ouais, voilà, ça me fait un monstre. Eh bien, j'ai eu raison de le faire, voilà. Cela ne vous déplaise. En dansant la javanaise. Allez, on est parti, c'est parti. Go, 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 go. Et mercredi. Faut passer par ailleurs. Faut passer par les routes oubliées. J'avais complètement oublié. Routes oubliées. Qui sont devenues les routes contaminées, mais bon. Ce n'est pas grave. Comment j'y vais? Oh, mais c'est loin en vrai. Allez! C'est pas grave, on a fait tout ça pour rien. On ne s'embête plus. On TP maintenant et on bouge. Bah quoi, c'est vrai, on a la possibilité de se TP, on va le faire, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Mais oui. Alors. Paf, pof, paf, paf, pof, paf, paf, paf. Mais dans ce cas-là, non, ben non, la cité de la reine, c'est mort. Donc maintenant, d'ici, il faut que j'aille à la caverne nocive. Bon, c'est parti. Comment on fait pour y aller? Excuse-moi, veux-tu mourir? Merci. Ah oui, j'avais oublié que tous les monstres explosent maintenant. Allez, on descend. Mais on peut plus descendre. Oh, mais bordel, par où faut passer? Faut faire le tour par au-dessus? Attendez. Parce qu'il y a un truc qui m'intrigue, moi, là-bas. Depuis un petit moment. Ouais. C'est là-bas. Ça donne au taquet de boula, ça, ça. Ça, c'est pas mort, ça, si. Si, c'est mort. Alors, c'est où? C'est ici. Apparemment, on peut aller au-dessus. Je pouvais aller là. Ok, donc ça c'est bien, c'est pratique. Et oui, il y a quoi là? Moi je veux savoir ce qu'il y a là. Je sais pas du tout où je vais. Alors j'y vais, mais d'une force. Mais j'ai utilisé mes doubles ailes, oh, on a entendu le bruit et tout. Je pense que... y a un boss. C'est juste une épreuve, s'il faut c'est juste un sort. Oh punaise, j'ai eu un... J'ai eu une perte de paquet. Bonsoir monsieur Andorra. Bon, tu me saoules. Content de savoir que vous êtes bien rentré. Je vais y arriver. Ok, c'est bon. Il n'y a pas foule ce soir. Non, mais c'est pas grave, ça viendra peut-être après. C'est quoi ça? Examinez. Le ventre rutilant. Ah, bon, bah, nouveau badge. Hein. On va de suite regarder ce que c'est. Alors, dis-moi ce que tu es. Un charme qui draine l'âme de son porteur et l'utilise pour donner naissance à des petits. Les petits n'ont aucun désir de manger ou de vivre et se sacrifieront pour protéger ceux qui leur ont donné naissance. C'est plutôt pas mal, ça peut faire... Excusez-moi. Un peu de défense. Je tombe. Oui. Je tombe. Putain, c'est pas possible.
Bon, bah j'ai bien fait d'aller là, il y avait un badge gratuit. Moi j'aime bien les badges gratuits. En même temps, qui n'aime pas ce qui est gratuit? Oui, devine qui n'avait pas chargé 100% ni son téléphone. Attends, je peux pas tout faire en même temps. Ni son téléphone, ni son PC portable. Et qui n'a du coup pas pu voir l'épisode précédent en entier. Oh la vache, j'ai failli mourir. Voilà, tu vois ce que tu me fais faire avec tes conneries? Oh! Mais j'imagine que c'est toi, et pas ton voisin de gauche, ni de droite. Où je vais là? Dites-moi, parce que depuis tout à l'heure je suis en train de tourner en rond ou dans le vide, comme vous voulez. Oui, on doit aller. Ah oui, on doit passer par en bas, mais à la. Pour faire le masque. Qu'il y a là-bas. Tu l'as dit toi-même que ce soir je te ferai chier. C'est vrai, je te l'ai dit en plus. J'y tiens, je sais que si tu viens, tu vas m'emmerder. Ça va pas louper. Super. Ah, j'en ai marre. J'en ai marre de vous. Alors, on va où là? On va pas aller voir la grosse. Ah, d'accord, bonjour à toi aussi. Il y a des kamikazes maintenant. Je peux me soigner sans que tu viennes m'emmerder. Ok, au revoir. C'est bête parce que maintenant la carte n'est plus. Oh. La carte aurait dû être. Ouh, je vais y arriver. La carte aurait dû être mise à jour, vu que maintenant je ne peux plus passer par certains endroits. Et cela est un tantinet énervant, voire très irritant. Mais bon, c'est pas grave. C'est le charme de Metroidvania, c'est que tu ne peux plus passer par certains chemins, tout simplement. Les vrais savent. D'ailleurs, en parlant de Metroidvania, il y a un nouveau Metroid qui va pas tarder à sortir. Oh, je me suis trompé. Ah, oh, putain, oh non, je me suis trompé de chemin. Est-ce pour que je puisse quand même passer? Donc oui, comme je disais, il y a bientôt un nouveau Metroid qui va pointer le bout de son nez sur 3DS. Alors moi, je croyais un comment dire? Pas un portage, mais à une. Oh, je sais plus comment on dit. Un remake, voilà. Je pensais à un remake de Samus Returns. Au final, c'est un pseudo-remake vu qu'il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux. Pas de nouveaux sorts, mais de nouvelles capacités qu'on n'avait pas dans le jeu de base. Et donc la bande-annonce, vous pouvez la trouver très facilement sur YouTube et. Et faites-le en fait, parce que c'est cool. Enfin, si vous aimez Metroid, évidemment. Pour moi, je suis un fan inconditionnel, ben, quand j'ai vu ça, ben, j'ai un peu joui. Genre, juste un peu. Enfin, bref. Ah! Sinon, il y a les Nindies qui ont fait leur apparition sur la Nintendo. Oh, je fais de la pub complète pour Nintendo, là, ce soir. Il y a de bons jeux indés qui vont sortir sur la Switch. C'est pas mal. Il y en a deux ou trois qui m'intéressent, on verra ce que ça donne. Oh, j'avais oublié que tu explosais, toi, petit coquin. C'est pas grave. Alors, on est où là? Ah, celle-là. J'ai eu peur. Ok, donc on va bien à la cité des madames. Des méduses, placement de produits totalement, et j'espère gagner grâce à ça beaucoup d'argent. Et maintenant, faut aller à Brume Canyon en passant par là-bas. Ok, c'est bon, je me rappelle du chemin. Alors, sans mourir, ça peut le faire. C'est vrai qu'il faut aussi que je surveille mes 1200 essences aussi un jour. Alors, attends, je suis où là? Faut encore descendre? Ouais, un petit peu. On va en profiter pour aller au banc. Voir le monsieur
Monsieur aveugle. Carte mise à jour, merci. Ah oui, parce que j'ai fait un petit peu de... Ouais, ok, c'est pas grave. Blablabla, on va là-bas. On va faire le masque. Comment j'ai fait pour partir la dernière fois? Me dis pas que j'ai juste utilisé un vieux TP. Ok. Ah, salaud. Décidément, ce soir, vous n'êtes pas mes amis, les... Les trucs qui font fuir. Ok, c'est par là-bas. Et maintenant, on va en bas. Ah, j'avais pas vu les mouches. Putain, décidément, je fais n'importe quoi là. Faut se calmer. On se calme. On se soigne. On regarde notre super chat. Vite fait. Et on bouge. Il n'y a absolument rien là-bas. Oui, donc on va là-bas. Allez, c'est parti. Nous allons voir le prochain masque. Et j'ai fait une connerie. Mais il y en a de la méduse. Merci. C'est tout ce qu'il y a dans cette salle. C'est bizarre. On y retournera après. Bon alors, il y a des méduses partout. Oh, Quirrell! C'est bien comme ça qu'il s'appelle. Oui! Ce royaume n'abonde-t-il pas de surprise? Un édifice au sommet d'un lac d'acide. Malgré ce spectacle, je ne peux pas m'empêcher de ressentir une sensation familière. Quelque chose attise mon esprit, bien que je ne peux pas encore dire quoi. J'ai toujours cru que c'était mon désir ardent pour l'exploration qui m'avait conduit jusqu'ici. Mais maintenant, il semblerait que c'était pour une toute autre raison. Cet édifice m'appelle. Moi aussi, parce que, ben, ouais. Moi aussi, parce que... Oh là là. J'ai entendu l'arvomerde. Merde. Il est où? Où est l'arvomerde? Merde. Bon, on verra après. Nous allons faire notre masque. Bonsoir, bonsoir. Archive de l'érudite. Ça sent mauvais, mauvais quand même. Oh, le petit banc. Oh oui, ça sent pas très bon là, je trouve. Ok, faut absolument aller en bas. Eh bien, soit. C'est parti. Ça sent le boss là, par contre, ce fois-ci. Mais non, généralement, les masques, c'est pas dangereux en soi. À moins que ce soit un mini donjon. Mince. Généralement, comment ça s'appelle? Les trucs comme ça, ben, j'ai pas de problème parce que. Parce que c'est pas des donjons, c'est juste des plateformers où il faut récupérer plein de choses. Ouais, je sais pas, on va voir. Sans mauvais dans l'air, comme dirait Pumba. Attends, depuis tout à l'heure, je tourne en rond ou pas? Est-ce que j'ai des trucs à faire? Genre ça, là. Ah ah! Troisième œuf, abat, absence, extérieur, coquille, eau, porte, continent, lumière, env, vaisseau, env, œuf, env, saut, troisième, env, retiré, env. Extérieur au saut dans rêveur Intwixt. Atwixt contient lumière, troisième rêve. Abat non croissant continent. Je sais pas où je vais en fait depuis tout à l'heure, c'est bizarre. Voilà. J'aimerais pas. Ouh, bon ben là il y a un boss hein, ou. C'est pas possible autrement. Ah ben le voilà. Coucou. Bonjour mademoiselle, c'est fermé. Salut. Allez, montre-toi. On dirait une métroïde. C'est humu. Ok. On peut pas le taper. Non. Faut trouver un moyen de le taper. Ah, ça me suit. D'accord. Come on, man.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oh, Quirrell! Quirrell me permet de la tuer. Mais c'est trop cool! Vas-y, aide-moi, bitch! C'est pas grave, je voulais juste me soigner. Aide-moi! Non, Quirrell, tu m'as dérangé. Ouais, tu l'as, s'il te plaît. Vas-y, tape là. Merci. C'est plutôt cool comme combat. Oui, oui, vas-y. Ah là 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 là. Oui, tu l'as. Vas-y. Ah! Est-ce qu'il faut que je la tape pour lui donner le signal? Je sais pas. Tu l'as! Tu l'as! Ok, cool. Non, reviens! C'est pas cool ce que tu m'as fait, Méduse, mais... Ok, j'ai le temps qu'à enchaîner notre attaque. Aïe! L'illettré, tu sais ce qu'il te dit, le mec qui sait pas parler? Ou qui parle trop vite? C'est tout? Mais il était nul, le boss! Mais c'était bien, il y avait Quirrell et tout, mais il est né trop facile! Bon, on va voir ce qu'il y a là-bas. On ira voir ce qu'il y a des deux côtés. Oh là là! Alors, est-ce qu'on peut passer au travers? Non. C'est pas faux. Évidemment que c'est pas faux, c'est quoi que t'as pas compris dans ma phrase, hein? Oh là là! Ok, donc ça c'est l'âme. Oui, je visite un peu. Tant qu'à être là. Non, là y'a rien. Alors, lumière roi, M croissance, dans nature, afflux, toute chose. Ancienne lumière, en même sens, M rêve, M non croissant. Au fin des pensées, abat lumière, roi, ancienne lumière, parenté, hoche, afflux pensée, abat rêve, non continue. Ça veut rien dire en fait, tout ça, c'est de la merde. Je sais même pas ce que je fais là. Ok, donc on revient ici. Bon, bah on va retomber de l'autre côté. Excusez-moi, votre charabia ne veut absolument rien dire, merci. Là, il y a une télé bleue et... Alors, c'est quoi ça? Un réservoir rempli de lumaflis chargé. Ah, cool, j'en avais besoin pour... Ah! Not bad, je suis plutôt content. Deux absences, troisième abondance, coquille extérieure ou intérieure, place en absence, troisième vide liquide, substance eau. Tisse absence intérieure, ou coquille extérieure, troisième substance, regardez, vide, vaisseau, absence tout extérieur, contenir. Oui, exactement! Ouais, donc c'est ici que je peux absorber l'âme. J'imagine. Ah. On va passer par là. On va se mettre juste devant en mode salut. Quelque chose brille dans le réservoir. Oh, Quirrell, salut. As-tu ressenti son appel toi aussi? Je réalise que ce n'est pas par hasard que nous arrivons ensemble. Je me souviens de cet endroit bien que la plus grande partie de ma mémoire ait disparu. Dans ces chambres de stase, l'érudite entreposait toutes les connaissances du royaume avant d'entreposer son propre esprit en son centre. Pour sauver Alonès, l'érudite est volontairement devenue un sot, mais elle s'est entourée d'une protection supplémentaire. Attends, ça veut dire que si elle a sauvé Alonès pour faire ça et qu'on les détruit, ça veut dire qu'on va péter le sot, donc on est méchant. Malgré que je ne possède aucun souvenir sur ce qu'il s'est produit, je sais que j'ai joué un rôle dans l'accomplissement de cet exploit. Elle m'a guidé jusqu'à elle, ici et maintenant, pour inverser cette protection, tout cela pour pouvoir te venir en aide. Ah! Donc au final, en fait, ils sont gentils parce que... Enfin, je sais pas. Ah, mais c'est le masque de la madame, ça! Ben oui! Donc en fait, si la madame l'a mené là, c'était son choix de reprendre forme, pas le mien. Elle sait ce que tu as l'intention de faire et semble s'en réjouir. Je ne sais pas. Donc ça veut dire quoi? Qu'on est gentil, qu'on est méchant, on est quoi?
Comment je fais? Je ne sais pas. Est-ce que je dois aller là? Non, il n'y a rien. Est-ce que je dois... J'ai plus de mana. S'il faut, faut activer un truc avec du mana. Ah, attendez. Non. C'est pas le bon sort. Ben oui, mais j'ai pas de mana, donc... Je sais qu'il est endormi dans le réservoir. Hein, mais même quand je fais bas, ça examine. Oh, c'est chiant. Mais j'ai pas de mana, je fais comment? Faut que je remonte, taper des méduses pour revenir ici. Non, y'a un souci. Oh, mais je sais, je suis con comme une valise sans poignée. J'ai autre chose en fait dans mon attirail. Exactement, c'est ça qu'il faut. De penser qu'une si petite créature porterait le destin de ce royaume. Oui, oui. Bonsoir. Voilà. Oui. Je suis complètement con moi aussi. Ouais, le pays des rêves. Ouh. Bonsoir. Pour la diversité... Oh, j'ai pas lu. Pour la diversité, les sceaux doivent se briser. Ouais, d'accord. Un monde immuable pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Ok, c'est bon. C'est quoi déjà? Ah oui. C'est le troisième masque qui fait pouf! Succès déverrouillé, érudite. Oui, vous, vous ne les voyez toujours pas, mais bon, écoutez, si je vous dis. Bon, il y a quoi derrière maintenant? Est-ce qu'on y va maintenant ou est-ce qu'on finit d'abord de voyager dans le monde de Halonest? Parce que j'ai peur que ça soit le boss de fin en fait. Je sais pas. Aucune idée. Salut! La madame a rendu son dernier souffle et maintenant son sceau se brise. Tu tentes une chose difficile, mais j'ai vu de près tes prouesses et elle aussi t'en croit capable. Mets-toi en chemin et permets-moi de me reposer un moment. Avec cet acte accompli, je commence à sentir mon âge. Ouais. Ok, bon, ça c'est fait. Maintenant, faut trouver l'arbre, merde. Ah là 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 là. Ça fait rien. Je voulais savoir. Salut les méduses. On s'en déconne, le boss était sympa, mais bon, voilà quoi. Pof. Salaud. Et un truc à examiner. Oui, 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 oui. On est passé par là ou de l'autre côté, je sais pas. De toute façon, on s'en fout, c'est pareil. Bon, ok. On s'en va vite parce que ça commence à me gonfler, c'est bête. Nous allons nous asseoir sur le banc 5 minutes avec moi. Tralalala. Et où est l'arvomerde? Ça, c'est une bonne question. Bon, on l'entend, il est en train de crier.
Ah. Non. Non, je sais pas. Est-ce qu'il est juste là-bas? Genre, on sort et en fait, il y a un autre chemin, mais plus haut. Non, je pense pas. Donc ici, on est où? Bon, on pouvait y passer d'en bas, mais pourquoi j'y suis pas arrivé? Je comprends pas. Ah non, c'était au-dessus que j'y suis pas arrivé. Bon. Apparemment, il y a l'arbre merde ici, mais... Ah. En vrai, je peux faire ça. Et bonjour! Oui, l'arvo merde. Ah, alors, maintenant. Non, toujours pas ici. La carte. Alors, peut-être en dessous, là. Genre, peut-être qu'en dessous, il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui nous manque ici, mais j'ai peur que ça soit toujours là. Et toujours la même chose. La falaise hurlante, on l'a faite. Au mont cristal, il y a peut-être... il y a deux ouvertures là-haut, je sais pas ce que ça fait. Ah oui, il y a là-bas aussi, là, où on était ben, la semaine dernière. Par là, il y avait quelque chose. Là, ça va. Il y avait un autre endroit, je m'en souviens. Ah oui, ici. Bon, en vrai, on va essayer d'aller d'abord à Brume Canyon, là, afin de... On va essayer de continuer dans cette direction. B, allô, merci. Ils disent que le métro est pas loin. Oui, en effet, il est pas loin. Alors, on va là. On va voir là-bas si j'y suis. Voilà, ici là. On n'y était pas allé ici? Non. Non, je suis quasiment certain qu'on n'y est pas allé. Oula, non, on n'y est pas allé là. Mais alors, pas du tout. Dans les gros jardins. Ah, c'est peut-être là où on va faire le tour pour aller au-dessus. Les jardins de la reine. C'est une nouvelle zone. Oh! D'accord, donc les monstres... Ah, on peut encore les taper. D'accord. Donc quand on les tue, ils se gonflent de piques. Donc faut que je fasse gaffe. Et après ça... Ok. On va essayer de continuer par en bas pour l'instant, pour voir ce qu'il y a. Ok, donc là, il y a des ronces. Oh, un œuf rance. Donc en fait, on va pas continuer vers en haut, vu qu'il doit pas y avoir grande chose. C'est joli. En effet, c'est très joli. Bah, c'est un jardin, hein, écoute. Généralement, les jardins, c'est plutôt joli. On peut remonter. On remonte vers quoi? Ah, vers l'autre côté. Ok, genre là, vers là, il y a... On ouvre là, mais de l'autre côté, il y a du noir. Voilà. Ok. Donc, nouvelle zone. Et on n'est encore pas obligé d'avoir le truc noir pour passer, ce qui est plutôt étrange. Et là, il y a un truc. Non, là, il y a un truc, c'est pas possible. C'est bizarre. Je vois pas le sol qui tremble. Je vois pas ce que ça peut être pour l'instant, donc tant pis. Et coucou, Time the Panda, comment ça va? Ben ça va, écoute. Tout va très très bien. On continue Hollow Knight tranquille. Tiens, salut toi, ça faisait longtemps, Clot. Ah, créature guerrière, alors toi aussi tu viens te mettre à l'épreuve contre les membres de cette tribu traîtresse.
Il y en a tout un tas juchés dans ces clairières. Autrefois, je serais resté bien loin d'eux, mais tes actions m'ont ouvert les yeux. Nous devons affronter nos peurs et elles nous vaincront. Ou elles nous vaincront, pardon. Si nous survivons tous les deux, nous pourrons échanger les récits de nos aventures. J'ai tellement hâte. Résumé du début de cette demi-heure, Panda, un boss méduse battu, un masque de liberté. Oui, de libéré, pas liberté. Elles sont gentilles ou pas, elles? Elles me veulent du mal, d'accord. Pourtant, on dirait des... Comment ça s'appelle? Des montres religieuses. Et apparemment, elles sont pas aussi cool que leurs cousines. Ah, donc on peut aller au-dessus d'une certaine façon. Faudra trouver comment. Bonsoir. Mais punaise. Avec son donut magique. Là, y'a rien. Je fouille un peu partout. Cool. Ah pff. Pas cool. Là, y'a rien. Wink. Mettez de l'huile. Ça fera moins de bruit. Alors, on sait pas où on va, mais alors on y va. Mais d'une force, hein. Salut. Ok. Pseudo boss. Enfin, salle de monstre pseudo énervé. Ok, ça c'est fait. C'est tout? Mesdemoiselles, s'il vous plaît, respectez-vous. Il y a un banc vers le haut. Et il y a un papier. De l'huile d'olive, lol. Qu'est-ce que... Ah, de pour mettre... ouais. Oui, je sais pas si l'huile d'olive serait la meilleure huile pour ce genre de mécanisme, mais ça a testé. Tellement d'endroits qui servent à rien, c'est bizarre. Wink, wink. Ok, bonsoir. N'est-ce pas l'endroit le plus intrigant que tu n'aies jamais vu? Tant de découvertes attendent d'être faites. Ou de l'huile de Tom. Oh bordel, j'en ai marre de vous, quoi. Ah, là 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 là. Ça entraîne sans le dispute, nous devrions vraiment cesser de nous quereller pour des choses aussi futiles. Paf! Adieu. Le salaud. Désolé de vous avoir manqué, si vous êtes perdu, pourquoi ne pas venir dans notre magasin à Dartmouth? À Dartmouth pour acheter une carte de cette région disponible maintenant à un très bon prix. Oh non. Oh. Ah, le banc. Ah, oh, c'est chiant. Surtout que j'ai rien pour venir. Ça, c'est vraiment pas cool, ça. Là, il y a une porte fermée. Dommage d'être aussi nul. Dommage d'être aussi nul carré. Ok. Oh putain, elle m'a fait peur. Merci bien, Madame Lafleur. Putain! Je l'ai vu, mais trop tard, quoi. Sur le côté. Je crois entendre un larve, merde. Je reviens. Sans déconner, quoi. Bon, tant pis. Donc tout ça c'était pour ouvrir ici. Super, merci. J'adore. Putain. C'est un labyrinthe de ronces. C'est bizarre quand même. Je sais pas où je vais, j'y vais.
essayer de tuer tout le monde, comme ça moi je récupère un peu de vie. Ah! Le donut magique. C'est joli, la musique elle est sympa, mais... Oh putain de merde! Je suis tombé. Tant pis! Il y a un autre papillon, on dirait. Étrange. Et là, je remonte où, là? Je comprends pas forcément la map, mais c'est pas grave. Merde! Oh! Ok. C'est pas... Enfin... Quand on va dire c'est pas très dur à tuer, c'est pas trop dur non plus, mais... Bande de salopards. Je vais mourir. Je vais pas pouvoir me soigner. Voilà. Tant pis. Ah, mais je suis perdu, j'ai pas de carte. Mourez les oiseaux. Ah, j'ai pas de carte, comment je vais faire? Eh bien, comme... comme on se l'attend de moi, ou comme on l'attend de moi plutôt, ce sera avec mon skill légendaire. Vous savez, celui qui existe à moitié, là. Ah, punaise. Eh, hey, y'a un truc là. Ah, mais faut pas que je me perde. Parce que si je me perds, je récupérerai jamais ma. Mon âme. Et là, y'a plus de musique, donc ça me fait flipper, on se casse. La logique du truc. Y'a plus de musique, donc on se casse. Ah, mais non, y'a un arbre à faire là. Non, c'est une vanne. Et ça fait deux fois. On reviendra. J'ai vraiment pas envie de mourir. J'ai pas envie de perdre mon argent. Je sais, ça fait radin, mais... J'ai pas envie de farmer comme un imbécile, ce jeu vidéo. Même s'il est très bien, j'ai pas envie de farmer. Ok. Go. Bon, la salle n'est pas grande. J'aurais pu le tenter, mais... J'ai d'autres chats à fouetter. Imagine le mec qui dit ça à chaque fois, il se ramène avec un sac rempli de chats pour les fouetter. Genre ya ya. La maltraitance animale c'est pas bien, d'accord? C'est une blague. Enfin une blague. Y a un autre banc par là apparemment. Oh, ça serait bien de le trouver avant de. Avant d'avancer plus loin, ce serait bien. Ok. Pauvre Mimi. Mais oui, mais moi j'ai pas que ça à faire. Non, ça doit pas être là. Ça m'étonnerait qu'un banc soit dans un endroit aussi sombre. Ah ben le voilà mon banc. Pas assez de géo. Ah. C'est drôle. C'est drôle, c'est cocasse, la situation elle est cocasse. Patricia casse. Bon, normalement mon âme elle est là-haut, non? Donc on va la chercher. Géraldine? Géraldine? Je sais que t'es là. Vous m'en voulez pas, je récupère d'abord mon âme avant quoi que ce soit. Hop. Ok, ça c'est fait. Eux, faut les trichotes très vite. Voilà. J'ai pas envie de m'emmerder avec eux. Et paf. Ah. Ok.
faudrait que je me soigne, faudrait que je me soigne. Ok, cool. 2, 3. Non, 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 il va piquer. C'est bon? Y'a plus personne? Ok, cool. Bon, bon, on va continuer, hein, quitte à être là. Aïe. En vrai, je sais pas si c'est bien de continuer ou... Je sais pas, on va voir. Tiens, de l'argent, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas trouvé du comme ça. Oh! Larve en merde! Ça en fait deux, plus que potentiellement 3, 4 ou 7. Ou 6. En fait, on sait pas. Non! Et il est bien haut le métro. Larve en merde. Et maintenant? Ah, ça va être que des histoires de dash, c'est ça? Et là, il y a quoi? Y a une pierre bizarre. Ici repose l'enfant des traîtres. Il y a un truc plus haut, mais... Ou 3000. Non, non, il m'en manque pas tant que ça. Et merde. Je me demande ce que j'ai à faire dans cette salle. Peut-être essayer d'y rentrer par plus haut. Et là, à quoi ça servirait ça, tu vois? À rien. Genre, peut-être que la salle, elle est reliée par ici. Genre, il y a un trou dans l'herbe ou... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau ça, ça vient de sortir. D'accord, ça saute de façon complètement random, on est heureux pour elle. On sait toujours pas où on va, mais alors on y va, mais d'une force. Paf. Oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi madame, vous êtes chiante. Mais c'est pas vrai. Touche là quoi. Bonsoir. Vous êtes relou, merci. Oh. Et ça c'est quoi? On peut pas... Non, on peut rien dire. Bon, ok, au revoir. Il est bizarre cet endroit, je trouve. Hein. Ok, cool. J'avais pas vu la plante, j'avais pas vu la plante. Vilaine plante. Une plante, non. Ouf, non, non. J'ai du bol, hein. Ok, ciao. Ah, punaise. Toi, je t'ai vu par contre. Argent et la fleur. La fleur tellement random. Genre bonjour, je suis la fleur. Oh là. Excusez-moi, pardon, excusez-moi, pardon. Poussez-moi, excusez-vous. Où on va? Mais dites-moi où on va. Attends, parce que... Il y avait plusieurs chemins ou pas? Oui. Il y a plein d'endroits qui servent à rien, c'est pas normal. Il y a pas de larves en merde. Ah, il y a un cadeau, là. Oh là 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 là!
Y a pas un journal du voyageur, un truc du genre C'est quoi? Oh putain! Un saut à l'honneste. Qui est heureux d'avoir un saut à l'honneste? Moi, parce que je sais toujours pas à quoi ça sert. Ah, c'est pas possible. Il toi. Est-ce que je te dis quoi faire, moi? Non. Mais oui, j'oublie. J'oublie parce que je pensais que j'étais complètement pété et pas du tout. Bon, par contre, cette zone, elle est vraiment trop bizarre. Ah. Et le fait de pas avoir de carte, ça ne m'aide pas. J'aurais dû prendre une carte, mais... J'ai pas trouvé le... Au final, on n'a pas trouvé le... On n'a pas trouvé la... La station de métro. Quel idiot. On était en route et d'un coup, j'ai abandonné. Alors que 6 fois, elle était à côté de moi quand on a fait notre première ascension. Et là, la porte va se fermer, il y a un boss et... Bonjour. Mais on dirait un larvomère évolué. Oh, la reine arrive, j'ai entendu depuis si longtemps et maintenant elle est presque arrivée, j'ai l'impression que je vais bientôt exploser. Mm-hmm. Ce jardin sacré, je l'ai protégé durant tout ce temps et bientôt la reine reviendra et m'apprendra à voler. Étranger, attendrons-nous ensemble? Jouerons-nous ensemble? Défier? Non. Je veux voir d'abord ce qu'il y a après. Parce que la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis bien fait bananer la tête, alors... Plus maintenant... Oh! Ah, ben le voilà! J'ai trouvé ma station! Ah, mais s'il faut la station, je pouvais pas y aller avant, parce que voilà, il y avait une porte. Bon, écoutez, on va acheter la carte et on va aller tuer le monsieur. On va faire ça. Peut-être je l'ai trouvé, le nid de coléoptère où je suis né, où j'ai grandi. J'y serais bien allé, mais mon devoir m'oblige à voyager uniquement là où on m'appelle. Mais si pour une raison quelconque que vous vouliez... Le voir vous-même, je pourrais vous y amener. Oh, nouvelle zone alors. Nul n'a encore envie pour nous accueillir. Mais le nid est vraiment quelque chose à voir. Vous n'avez qu'un mot à dire et nous partirons tout de suite. Ah oui, en effet, la tanière des coléoptères. Bon, on ira après. D'abord, on va dire Dirtmout. On va dire Dirtmout. Et on va tuer la larve après. Il ne faut pas m'éloigner de mon objectif. Sinon, les gens vont dire que je fais que de la merde. Allez. Ah, il n'y a plus la mademoiselle. La mademoiselle. T'es belle. Lui, je dois lui acheter des trucs. Mais quoi, je sais plus. Bonsoir. Ah oui, ça ou ça. Je crois que si j'achète ça, ça va me faire une deuxième boule. J'ai bien réfléchi, ouais. Comme ça, moi, j'ai une deuxième perle. C'est déjà pas mal. Ça pourra me stocker. Vend les sauts d'Halo au Relic Seeker Lem. Ok, alors, qui est le Relic Seeker Lem? Et garde 140 pour le banc que tu n'avais pas pris. Ouais, ok. Il est où le relique machin? On l'a pas trouvé, lui. C'est le mec à la burqa. Quoi? C'est une blague. Ok. Ah, oh, mais il est là! Ah, et ça fera 140 piles. C'est pas beau, ça? Ça fait pas tout pile. Cartographe. Ah, ça veut dire que j'ai... Bah, il dort, donc ça veut dire que ça y est, j'ai acheté tous les machins. D'accord. Mais quel mec à l'arbourca, on l'a jamais vu. Salut mademoiselle, t'es belle. Vagabond blanc, ne soyez pas timide, froid dehors, le lit est doux. Non, je veux pas me faire violer. Le mec à l'arbourca, mais où? On n'a jamais vu de mec à l'arbourca. Cadeau, quoi cadeau? Il y avait un cadeau. Non, on l'a déjà lu, son truc à la con, là, cette pouffe. Par contre, je vais aller voir les larves, merde, vite fait. Il est dans la cité des larmes, Burkamen. Quoi? Il s'appelle vraiment Burkamen? Si j'en suis ma source... Oh oh! Oui! Oui, un cadeau. Oui, les boulasses. Oui. Ouais. Oui. C'est tout?
Bon, au moins il m'a filé un cadeau, c'est quoi? Un minerai pâle! Non mais s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, donnez-moi plus de minerai pâle! À la cité des lames, mais on n'a pas trouvé de bourgamène. Oh! Putain, je sais qui c'est, quoi. Il était pas en dessous de la statue. Oh là là, oui. La grosse statue qu'on a trouvée. C'est peut-être ça. Bon, attends, on va aller voir le cadeau, parce que sinon, il va me gonfler. Ma source, c'est Rosanna. Il n'y a pas de cadeau, c'est un texte, regarde. Le sauveur blanc de les ténèbres. Gna 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 gna. Voilà. Poup. Et on repart. Ok, pardon. Non, je ne t'excuse pas. T'avais qu'à suivre les autres épisodes et tu le saurais. C'est où qu'on est, à la station cachée? Non. Où qu'on est? Au jardin de la reine. Oui, merci, mais... Attends, parce que... Oui, mais comment s'appelle la station de la des jardins de la reine? Juste jardin de la reine. Merde, j'ai appuyé sur B. Boop. Pourquoi, Fab, pourquoi t'es le seul à penser à un truc aussi dégueulasse, quoi? Tu me désoles. Bon, au moins, on a la vision. Allez, on va aller tuer le monsieur, là. Alors, on prend du mana, hein. Salut! Paf! Oh non, encore une boule au Ming. Encore un Sonic, quoi. Oh, ça me saoulait. Est-ce que je peux rester là? Oh, mais oui. Est-ce que c'est de la triche? Je dirais oui. Oh non. Pitié, il me touche pas, pitié, il me touche pas. Salaud. Dégage, mais dégage! Oui, bambou, bambou, oui, moi aussi. Salaud! Mais il est facile, juste à me mettre contre un mur et à me défendre. Elle est où, Géraldine? J'ai cru que t'étais pas là, ma pauvre. J'ai giflé très fort. Hein. C'est très difficile de l'anticiper en vrai. Mais... C'est incroyable. Hein. Ce boss est un chiant. Mais tais-toi. Ok, bravo, merci. Très très fort, hein. Qu'est-ce que t'as à me dire? Oh, étranger, tu es fort, beaucoup plus fort que moi. Étranger, j'ai tendu depuis si longtemps... J'ai attendu, pas étendu, parce que sinon c'est du linge. Étranger, j'ai combattu depuis si longtemps, je suis tellement, tellement fatigué. La reine sera bientôt arrivée, mais j'ai besoin de dormir un peu. Étranger, réveille-moi quand la reine sera là. Étranger, peut-être que la reine nous apprendra à tous les deux comment voler. Cela sera amusant, n'est-ce pas? Et il meurt dans d'atroces souffrances. Ouais, lit.
On a lit essence. LOL, bravo, bravo. Ok, bon, on s'en va. Oh oh. Ouais. Et maintenant, on va suivre notre carte. Alors, on a un banc en bas, on a en haut à aller. Et on a un arbre à faire. Et on doit aussi pouvoir aller en bas. Bon, ok. Bon, on va voyager dans cette nouvelle zone. Hein. On va aller en bas, sur le banc. Déjà, parce que bon... Oui! Alors non, c'est pas par là. Ah oui, il faut descendre d'un étage. Paf, paf, paf. Bon, pour l'instant, encore une fois, les boss, ça va. Hein. Ah oui, il y a en bas aussi là, à visiter, non? Je sais plus. Oui. Oui, on va aller en bas aussi. Oui! Oh oh. Bonjour, je viens juste pour le mana. Merci. Oh là là. Ah putain, il a réussi à tirer avant. Il pique, il pique, il pique, faut pas oublier. Allez, on va voir en bas s'il y a MacGyver. Je sais pas pourquoi. Y'a plus de musique, c'est bizarre. Argent, trop cher. Trop grand, la vie n'a pas de prix, pas de prix. Vilain buisson. Et là, y a pas un truc gratuit, non? Non, il y a juste un trou là et c'est tout. Alors déjà ça apparemment c'est un raccourci bizarre. Non, non, non. Non, pas ici. Je veux pas, j'ai pas envie. Je veux pas revenir ici, chez les tarés. Putain, et je pèse mes mots. Qu'est-ce qu'il y a là-bas maintenant? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bonjour. Le faiseur de masques. Attends, mais on n'y était pas déjà allé le voir? Connaît-il le visage qui se cache dessous, un contraste si remarquable, oui, on m'a conçu. On est déjà venu par là, non? Eh, tu veux pas me donner un truc en vrai? Non, bon, ben va te faire voir. Putain, elles ont repop, quoi. Mais c'est insupportable, ces monstres de merde. Et puis, qu'est-ce qu'on fait là? Mais dites-moi, quoi. À part me faire suer. Ah! On s'en fout, on se casse. Pourquoi il y a un truc là? Ok, on s'en fout en vrai. Non! Mais elles me font peur! Mais il y en a partout sur l'écran, c'est dégueulasse, putain! Je déteste ces araignées, je déteste ces araignées, je déteste ces araignées, j'en ai plein le cul, j'en ai plein le cul. Mais casse-toi! Mais pourquoi on passe par là? Ah, tais-toi! Sale conne! Et puis ça, ça sert à rien, là! Ah, ça y est, je suis énervé. Je me sens pas bien. Mais ça sert à rien, cet endroit de merde! Qu'est-ce qu'on vient foutre là? Mais quelle vieille madame! Je suis énervé, ça y est. D'accord, donc on est revenu là. Bon, il y a un arbre à faire, on y va. Et on se casse.
on a trouvé l'arbre. Je suis énervé. On se calme. La voyante, mais quelle voyante? Oui, mais j'ai dit que je frapperai. Je peux pas tout faire en même temps, sinon je vais tout oublier. Eh, les araignées, sans déconner, quoi. Cassez-vous. Oh merde. Oh la vache. J'avais complètement oublié ça. Donc en fait... Putain, j'ai toute cette salle à faire, quoi. Je pourrais pas y remonter, en plus. Je suis tombé. Oh, punaise. J'essaie de rester poli. C'est pas évident, il y a des araignées, je déteste ça. Attends, mais où on va? Peut-être qu'il faudra pas tant de coups que ça maintenant pour les buter. Je suis bloqué, bon. Soit. Ah, je suis énervé. Je veux pas être là chez ces bouffonnes. Merci de m'aider à monter, c'est gentil. Ouais, super, de l'essence, j'adore. Eh, franchement, je kiffe, merci. Et puis, sans déconner, quoi, plus grande la salle. Hein. Putain. Surtout qu'il me manque des bulles rouges, quoi. Donc ça, c'est le bas, ok. On part d'en bas et on remonte. Sans déconner, quoi. Mais je suis sûr qu'on avait activé l'arbre et que, enfin, on en avait chopé plein des bulles rouges. C'est pourquoi, là, il y en a une et puis c'est tout. Putain, alors, c'est pas possible. Dis-moi qu'il m'en manquait qu'une, en fait, et que je l'avais pas prise et que maintenant, non. Non, il en manque toujours, ben merci. Et en plus, on n'y voit que dalle dans ce truc. Ah, putain, il y en a une là. Mais ouvre là. Aïe. C'est bon? Oui. Y'a un larveau, merde. Il est où? Ok, tout ça pour ça, je suis content, merci. Ok, donc là, y a rien. D'accord, comment on l'avait pas eu, lui? C'est pas possible. Ah ouais, non, mais cette zone, en fait, on avait rien fait de bien. Tu m'étonnes, en même temps, c'est tellement la panique quand il y a des araignées que... On essaie de remonter, mais je promets rien. Ok, je suis remonté. Non, fermez-la! Bande de grognasses. M'en fous! Cassez-vous. Oui, c'est bien. À quoi sert cette zone? Je vous le demande. À part faire chier les gens. Ah! Et là-bas, il y a quoi dans le coin, là? Il n'y a absolument rien. Génial. C'est dégueulasse. Non, je m'en fous, je me casse. Ok. Ah, je m'en tamponne de refaire tout le tour et de perdre du temps. Je veux juste éviter cette zone démoniaque.
Ah putain, je suis retombé. Je suis con, moi. Non, là, y'a rien. Fais doucement parce qu'on en a marre. Qu'est-ce que... Dans quoi je suis tombé là? On va sur le banc et on sauvegarde parce que j'en ai marre. Pourquoi je suis allé là-bas? Bon. On va faire l'arbre. On va descendre. Et on va voir vers où ça nous amène. Non, pas là. Putain. On va faire l'arbre, on va faire l'arbre. Ok, retour dans une zone un peu plus sympa, même si casse-gueule. Ça fait deux fois que je me fais avoir. Trois fois. Non! C'est même passé. Pas du tout de quoi vous parlez. Non, mais putain! Ok, Zen. Allez, on va à l'arbre. Je pense que cette zone, ça va être facile à faire. Merde. Ok. C'est parti. On se gratte le nez parce que voilà. Ok, là, y a rien. Et voilà. Ok, ça c'est fait. Ensuite, j'avais refusé d'aller là-bas pour je ne sais quelle raison. Est-ce qu'on était bloqué ou juste je voulais pas m'enfoncer trop loin sans sans ne pas avoir mon âme, c'est ça. Et vu que là aussi il n'y a pas de musique, c'est bizarre. Bonsoir. Bah, j'ai pu les tuer tout à l'heure, c'est quoi le bordel? Bah. Ok. Oula. Ah oui, ça là. C'est toujours pas ce que ça fait là, ça en fait. Ah ah, petit chemin. Petit chemin. Coquine. Tu vas te calmer, hein. Non, il y en a une autre. Je vais mourir. Salope. Ah. J'aime à quel jeu. Ah, c'est quoi ça? La clé de l'amour. L'amour.
Ah, mais il allait me dire quelque chose d'utile. Attends, nouvelle clé, ça veut dire que ça va peut-être ouvrir le truc que j'ai jamais pu ouvrir. Trop longtemps, bosser ensemble, nous ne sommes plus qu'un. C'est la clé de l'amour. C'est nul l'amour, sans rien. Je me demande à quoi peut bien me servir la clé de l'amour. Et là-bas, c'est vers où en fait, je m'en souviens plus. La clé de l'amour et de la vérité, oui, la fameuse. Ah oui, c'était pour ça. On retourne au jardin de la reine. Il y a un endroit qu'on n'a pas visité. Comme ça, on aura fait la zone de fond en comble. Ah, c'est bon. Oh là, je fais y tomber. La clé de l'amour et de la vérité de l'amour, du filon de l'amour, du filon de l'amour. Alors, faut monter, je crois. C'est bien ça, on veut juste monter. C'est tout ce qu'on veut. Salut. Voilà. Le donut magique a failli avoir raison de nous. La 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 la. Wink, 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 wink. Ah la 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 la. Ah punaise, oui, c'est vrai qu'on pouvait pas passer par là. Ah. Ah. Bon, faut trouver un endroit où pouvoir monter. Par où je peux monter là-haut? Ah, bah en faisant le tour! Non? Techniquement, si je suis bloqué ici, et que je peux pas... Excusez-moi, et que je peux passer de l'autre côté, évidemment que c'est par là-bas. Attends, où je vais là? Ah, faut se taper tout le tour! C'est la joie! J'adore quand il y a des trucs comme ça qui se passent. J'ai menti. Attends. Là, il se passe rien. Oui, faut qu'on fasse tout le tour. Ouais, j'adore. Écoutez, au moins cette zone elle sera pliée et on n'en parlera plus, d'accord? Et après cette zone, je vais aller voir la vieille. Parce que si elle peut me donner un minerai pâle, un truc du genre. Bon, je regarde combien j'en ai. Faudra aussi que j'essaie de m'occuper de la clé de l'amour et de la vérité. Faudra un jour aussi que je trouve un accès à l'arène, parce que on a vu qu'elle existait la semaine dernière, mais on n'a pas vu exactement où elle était. Je crois que je me suis trompé d'endroit, il fallait juste monter par là. J'ai dit n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi. Très énervé ce soir. Très en forme. Bonsoir, merci d'être passé. Ah. Eh, tu m'emmerdes. Allez, paf. Ça t'apprendra à être laide. Ça va, tu m'as pas juste viré au moins 5 points de vie, quoi. La 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 la, faut que j'aille... Oh ! Ah, on n'a pas regardé quand on est allé voir... C'est pas possible. Quand on est allé voir les larves aux merdes, on n'a pas regardé combien il nous en manquait. À peu près. On a oublié de faire ça. Enfin, j'ai oublié de faire ça. Oh là là. Oui, oui, on sait que t'as... Ah oui, il faut aller aussi vers chez lui, là. Chez l'ancien, chez lui. Hop, hop. Voilà, c'est là-haut qu'on n'est pas allé. Enfin, c'est de là que je parlais quand on a dit « Ah, j'ai loupé une étape, gna 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 !» 5, je crois. Non, mais attends, on en a pris 3 depuis tout à l'heure. Ou 4, même. C'est pas possible qu'il m'en manque encore 5. Enfin, tu vas me dire, il doit y en avoir un dans l'ancien village de Hector, le transporteur, là, mais... Ok, c'est que de la plateforme là. J'adore. Démonstration de skill extrême. Et tombé.
Ok, et là on atterrit où? Dis-moi. Non mais là on est où quoi? Ok, un trait noir pour messieurs dames. Hein. Oh, j'ai quand même pris les pics. Ouf, cette esquive. Non mais Doulaine. Doulaine. Oh Doulaine. Ok. Et on atterrit où là? Excusez-moi monsieur le porc épic. Où c'est qu'on atterrit après? Vous voulez pas me dire? S'il vous plaît, dites-le moi. Ben, ne le dites pas alors. Oh, j'ai cassé la vitre! Attendez. Je veux voir d'abord où on arrive. Vu que changement de musique. Oh! Enfin! Ah, attendez. Voilà. Enfin ça, quoi. Oh la vache, on a enfin débloqué ce chemin de vers chemin. Le chemin de vers chemin MDR. Bon, attends. Oh là là. Ah, ça sent la démonstration de skill, mais... pas du tout. J'avais oublié que je ne pouvais pas tuer les ennemis. Ah, ça sent mauvais. Je me suis peut-être trompé. Ouais, youpi. Ok, bon. Ça doit nous amener un badge ou une connerie du genre. Oh, tellement dans les pics. C'est compliqué. Oh, vers un larveau merde. Je suis trop, putain de merde. Comment on ralentit? Comme ça, ok, c'est A. Ou dans les pics, oui, bah oui. On va se remettre dans les pics. Non, je suis trop... Quoi? Et là, ça le tue? Eh, c'est une blague. En vrai, ce jeu, c'est une grosse blague. Ah, j'ai glissé. Ah, putain. Bon, tu vas me dire, là, il n'y a plus rien. Non! Ah! Faut vraiment choper le timing pour pouvoir ressauter du mur, c'est insupportable. Oh non! Je peux pas annuler? Ouais, non, je peux pas. Bon, bah nique-toi le jeu. Non, trop! Oh, ça passe. Et j'ai glissé. Sans déconner, cet écran qui bouge dans tous les sens pendant que t'atterris, c'est d'un chiant. Faut bien que je trouve une excuse, hein. Ok, cool. Cool. Oui, mimi. Fermez, saleté. Ok. Comme dirait Ramus. Ok. Allez, on va faire ça maintenant. Et on en a fini avec les jardins de la reine. C'est plutôt cool, non? Qu'est-ce que... J'avais pas vu le buisson, quoi. Eh mais maintenant, je peux aller dans l'eau tranquille. Eh ouais, les mecs. Paf! Paf! J'ai plus besoin de vous. Vous m'insupportez. Toi, c'est le buisson, là, con. Le mec est pas du tout énervé. Non, ça va.
C'est surtout que c'est pour aussi remplir mon bestiaire, parce que bah, apparemment j'ai besoin de le faire. Ça c'est fait. Il me manque encore des bulles. Ah là. C'est bon? Ah, il m'en manque. Il m'en manque. Il m'en manque sûrement dans le chemin du haut. Mais maintenant on peut faire ce qu'on veut en fait dans cette zone. C'est ça qui est beau. On aime la diversité. Doulaine. Là-haut. On l'a tous vu. Ah, là aussi. C'est bon, là? Cool. On peut se barrer. Bon, on est à vers chemin. Bon, on va soigner en entier. Et on est là-bas. Bon, eh ben c'est parti. On va aller chez la vieille. Pouf! La carte est bien mise à jour, on est heureux. On va chez la vieille, après on va chez toi. Ou d'abord à la... je sais pas. C'est où la vieille déjà, repos éternel? Doulaine. Est-ce qu'elle va me donner un badge ou un truc du genre? J'en sais rien. Ah, Illumineur, vous êtes revenu. Laissez-moi jeter un coup d'œil sur l'aiguillon des rêves. L'aiguillon des rêves est si brillant. Il contient plus de 1200 essences. Si je l'observe de plus près, je peux voir tellement de souvenirs en train de m'observer aussi. Il en existe tellement qui demandent que l'on se souvienne d'eux. Aucun de vous, de nous ne peut vivre éternellement. Alors nous demandons à ceux qui nous survivent de ne pas oublier. Si tu gardes quelque chose en mémoire, alors il continuera de vivre avec toi. Mais si tu l'oublies, tu l'enfermes loin de toi à jamais. C'est la seule mort qui compte réellement. C'est ce qu'ils disent assez de tout cela maintenant. Prenez cette relique et revenez me voir quand vous aurez rassemblé 1500 essence. Non ! Un œuf arcanique, c'est quoi ? On est à combien ? Ah ! Toi aussi ? Mais tais-toi. Je sais pas. Elle va se taire. C'est quoi que je cherchais? Ah oui, ça. On en a 1413. Oh, tais-toi! Mais elle est insupportable! Bon, ça c'est fait. Pardon. Maintenant, nous allons. Alors, attendez, il faut que je regarde ma carte. Parce que je sais plus où c'est. Station du roi. Allez, c'est parti. On va voir si c'est la clé de l'amour et de la vérité. Elle va dans la serrure de l'amour ou s'il faut juste une clé normale ou je sais pas parce que j'en ai marre. Voilà. Alors, c'est par où déjà? Burkhamen ne doit pas être bien loin. Bah ouais. Parce que de souvenir, je crois que c'était le vieux qui nous avait accueillis. Oh là là, toi, tu m'as fait peur. C'est là la clé. C'est là, dis-moi que c'est là. Mais putain! Oh, bah je sais pas où elle va la clé, tant pis. Ah, c'est vrai que je peux pas. Bon, Burkhamen doit être. Au pied de la statue, je pense, sans déconner. La clé de l'amour, elle doit... c'est pas possible, elle doit pas se trouver bien loin, vu que les monstres... La serrure, c'est pas une rose dans une sorte de palais.
Alors là, j'en ai aucune idée. Il est pas là, Burkhamen, là? Non, il n'est plus là. Bon, bah, je sais pas où... J'ai aucune idée d'où il est. Ah, je suis complètement paumé. Ah, attendez. Est-ce que je peux essayer de monter là-haut? Ah oui, donc je reviens là, quoi, en mode punition totale. Attends, est-ce que je peux pas monter plus haut? Là-bas. Si, un peu. Ah, j'aimerais bien monter. Ouais! Est-ce que ça m'a mis ma carte en plus ou pas? Non, peut-être plus tard. Est-ce qu'il est en haut là-bas? J'en sais rien où il est, moi, Burkhamen. Je savais même pas qu'il existait, ce personnage. Puis où il peut être, ce gros con? Oh! Mais là, il y a une porte qui a pas été faite. Faut qu'on y aille. Faut qu'on trouve la porte. Ça veut dire qu'on a loupé un truc. Ouais. Faut qu'on essaie de monter par là. Et qu'on essaie de redescendre. Ah, d'accord. Ok, bon. J'ai oublié votre existence à vous, elle me déplaît. Je peux pas passer en dessous. Là aussi, il doit y avoir un truc là par là, c'est pas possible. On l'avait déjà pris ou pas? Je sais plus. Bah, ça m'étonnerait en fait que je l'ai pas fait ici. Enfin, ça m'étonnerait et ça ne m'étonnerait pas. On fait tellement de choses dans ce jeu que... Ça va être la pause. Ah, en effet! Je cherche 2-3 trucs et ouais, pas de soucis. Si, là, on avait fait un truc. Là, il y avait un... Je sais pas quoi. Et là, plus haut, y a rien. C'est vrai que ça va être la pause, la petite pause, la petite pause, la fameuse pause. J'essaie juste de voir... Pour ma porte, là. Ok, cool, j'ai bien fait de le tuer. Genre là, non? Fallait juste aller là et... Là, il y a un truc, mais là, il y a quoi? Oh, me dis pas que c'est là-dedans. Oh, il est là! On l'a trouvé! Enfin, si c'est lui. Oui, vous êtes à recherche d'objets rares. Eh bien, ne touche à rien. Cette collection appartient... m'appartient. Je ne vendrai pas de sales petits vagabonds. Ah, si, il y a des journaux, là, à côté. Quand bien même, j'imagine que vous avez dû trouver des objets intéressants au cours de vos voyages. Peut-être voudriez-vous vous en séparer. Je vous ferai une offre équitable pour chacun de vos objets. Ah, donc tout ça, c'est pour des géos. Ouais. Bah tiens, prends tout, hein. Ce journal d'un voyageur, bien que de son royaume, ce soit de retrouvailles communes, j'aime beaucoup les déchiffrer. Toutes les pages lues ensemble peignent une histoire morbide. Il semble que l'univers ait été cruel envers la plupart de ceux qui voyagent dans les ruines de l'Est. Tiens, prends ça. Voulez-vous vendre cet objet? Vous en possédez 12. Ben, me dis pas que je vais m'amuser à tous les vendre parce que ça va devenir chiant. Ouais. En fait, ça me donne juste du fric. Bon, ben écoute. Hein. Ah, à chaque fois, il va me dire un truc là-dessus. Ça va être très long. Hein. Eh ben, vous savez quoi? Je vais lancer la pause maintenant et je vais le faire pendant la pause. Comme ça, au moins, c'est plié. Donc, un bisou. Hein, juste un petit bisou, comme ça, là. Et je vous dis
À toutes. Oups, j'avais pas vu la fin de la pause. Donc oui, vous aviez le son mais pas l'image, tout simplement parce que ben je l'ai fait pendant la pause. C'est tout. Alors, on se retrouve avec 13 000 géos, ce qui fait quand même beaucoup. Et là, j'étais parti pour aller à la tanière au coléoptère. On s'en fout, on a fait du café. Oui, exactement. Du petit café. Donc on va à la tanière du coléoptère parce que ben il nous a dit que ça serait bien d'aller voir ses anciens collègues morts. Regardez, ils sont tous morts. Ah, succès déverrouillé, espoir. Oh, en plus on gagne un truc. C'est une perle, un morceau de perle. Si c'est tout ça pour un morceau de perle, ouais, why not, mais bon. Non, il doit y avoir un truc. Ah, il y a une espèce d'ascenseur là. Non, ça fonctionne pas. Ah, celui-là, oui, par contre. Oh, est-ce qu'il faut que je le fasse depuis tout en haut? Où il y a un truc à débloquer. On va fouiller. Examiner. Un œuf cassé, il est vide. Ça sent le petit boss. Bon, on va voir. Nous allons voir. Hey, on est dans les falaises hurlantes. Attends, mais comment je fais? Après, je vais tomber et je vais pas pouvoir remonter. Non, ça me plaît pas. Faut trouver. Faut trouver l'énigme. Ah, oh, l'énigme! Ah, j'ai raté. YOLO! Ça n'a absolument rien fait. Je suis un peu déception, je vous l'avoue. Ça n'a absolument rien fait. Bon. Mais pour... à quoi il sert alors ce truc? Parce qu'on s'en fiche un peu d'ici, non? En vrai. Ouais, on s'en contrefou, quoi. Bon, bah... Ah! J'avais oublié que tu venais, toi. Bon, bah, vu qu'on s'en fout, on se TP. Hein. J'ai rien à faire ici. Alors, où c'est qu'on pourrait aller, maintenant? Alors, on va appeler monsieur, et en attendant, nous allons regarder notre carte. Alors! Ouf! Ça en fait des choses! Ah, faut aller à Nid Profond. Oh. Ah, je suis pas très heureux de ce constat-là, mais bon, tant pis. Alors, attendez. Jardin de la Reine. Ah, il nous manque un truc au Jardin de la Reine. Non. Nous allons au Jardin de la Reine. Ah, non, 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 on n'y va pas, on n'y va pas, on n'y va pas. C'était le truc noir. Ah, merde, j'aurais dû lire. Merde, j'ai oublié. Ah. Voilà. Voilà. Bon, je désolé, j'ai pas fait exprès. Bon, alors, où on va? Alors, les falaises hurlantes, c'est fait. Le vert chemin, c'est fini à fond, à fond. Les jardins de la Reine, il manque un truc, un chemin noir. Dans Brume Canyon, il y a un ou deux chemins noirs aussi. Ah non, au jardin de la Reine, il y a deux chemins noirs, mais c'est pas très grave. Ça serait bien d'aller, en fait, ici. Faut aller chez les araignées. J'ai pas envie. Surtout que je suis sûr que je vais y aller pour rien. Ah, il y a ici aussi, il y a la frontière du royaume où il faut qu'on aille. Il y a le Colisée des Fous que nous n'avons jamais trouvé. Ça fait beaucoup de boulasse, oui, en effet. Au Mont Cristal, il y a encore deux petits trucs là-haut. Je ne sais pas ce que ça fait. Les routes oubliées, c'est torché.
Ici, c'est torché. Bon. Eh ben, il me reste que... que cette saloperie de deep... de deep nest, là, le nid profond. Comment on y va? C'est surtout ça, là. Bah, on va passer par les jardins de la reine, en fait. J'ai pas trop le choix, quoi. Ça me plaît pas, mais je pense que c'est le chemin le plus court. Tant pis. Bon, allez, on est parti. Je suis dépité, mais tant pis. C'est comme ça. Et c'est quoi, ça? J'ai activé un truc. Bon. C'était la porte? J'en sais rien. Ah, merde, quel con. Décidément, quand je décide d'être complètement con, je fais pas les choses en moitié. Il te faut quoi pour améliorer ton aiguillon? Ah, alors. C'est vrai que j'ai pas regardé, il me manque 2 minerais pâles. Voilà. Donc faut trouver 2 minerais pâles. Ah, parce que c'était 3. Alors on va tomber, on va se soigner. Je pense que l'aiguillon, on va plus... Enfin, on pourra l'augmenter qu'une fois et après c'est fini. Sans déconner... Merde. Sans déconner, je pense que c'est... C'est bientôt la fin, là. Techniquement, je peux aller à la porte que l'on a ouverte. Bon, tant pis pour les araignées, on s'en fout. Les araignées, on s'en fout. On essaie de pas y porter attention. Pas attention aux araignées, on fait pas attention. On se casse. Oui, parce que sans déconner, je pense qu'on peut finir le jeu assez vite si on le décide. Non, non. Ah, mais quel con, plein dedans, quoi. On se casse. Je veux pas rester dans ce... Dans ce monde de fou là. Non. Ok. Ok. Re, j'ai testé quelques réglages du micro pour mes prochains lives. Pas de soucis. Merde. J'arrive pas à passer au-dessus, putain! Oh là là! Mais je suis bloqué! Je vais mourir! Sérieux, il y avait une araignée. Oh, mais non, c'est pas possible, quoi. J'étais bloqué dans le mob! Oh putain! Oh, je suis deg. Je suis dépité. Donc déjà, on va reprendre appui sur ce... Bon, là, s'il nous arrive une connerie... Putain, j'en peux plus, quoi. Ah, putain. C'est pas grave. Voilà. Elle descend dans la montagne, un cheval qui clope. Hein. On réfléchit pas, on tombe et puis c'est tout.
Il m'en faut 3 durs. Oui, mais ça. Putain, mais. T'as mis 8 ans pour entendre ce que j'ai dit ou quoi? T'es en retard de fou, non? Ou alors tu réagis comme maintenant? Je sais pas. En tous les cas, t'es bizarre. Une araignée. Trop drôle. Très amusant. Oh putain. Elle s'est barrée à l'autre bout de la terre, quoi. Et là, je peux? Ok. Géraldine. Ouais, je suis tombé. Ah, mes 13 000 boules, parce que bon, quand même. Je suis con, moi. Et je suis encore bloqué. Je ne comprends pas. Les araignées, j'aimerais bien te les mettre dans ton slip, tu verrais si tu serais contente. À te foutre de moi. Bon. C'est quoi ce bruit? On se casse. Ah, sur ce chaude. Le mana. Alors, pendant qu'on regarde les sources chaudes et qu'on regarde notre mana tranquillement. Ouais, c'est là où j'en avais chié de briques. Ouais. Mais là, avec les doubles. En fait, avec les doubles ailes, ça devrait le faire. Sans déconner. Parce que vous vous souvenez pas de ce chemin, mais moi oui, je m'en souviens très très bien. Que c'était la mort du petit chat. Bon déjà il y a ça. Mais c'est en dessous ou c'est la mort? Personne ne s'en souvient. Attends, mais on peut pas y aller? Hein? Mais... Non, il y a un souci. C'est où la salle où je me prenais des branlées monstrueuses? Mais on peut aller en bas. Attends, mais c'est où alors? Elle est où cette salle à la con? Elle est peut-être là-bas. C'est pas grave. C'est là-bas? Non, c'est toi, j'ai écrit il y a 5 minutes. Ouais. D'accord. Attends, mais je vais où, là? Y a un souci. J'ai un gros souci, parce que je me souviens d'une zone que j'ai jamais clear. Mais je sais pas où elle est. Bon, tant pis, on va voir là. Hein. Carte mise à jour. Ouais, mais on va où, là? Non, y a un souci. J'ai un problème. Ah, c'est peut-être là-haut, vers caverne nocive. Oh non! Et dans ce cas-là, je me suis planté dans mon endroit. Bah non. Mais où elle est, cette salle? Je sais qu'il y a une salle, mais je sais plus où, qui m'avait mais tellement saoulé. Et je la retrouve plus. C'est plutôt con, parce que j'en ai besoin, en fait, maintenant.
Et c'est ta deep nest. Est-ce que c'est au-dessus? Vas-y, on va tester au-dessus parce que c'est pas normal. C'est pas normal que je ne trouve pas. Je sais qu'il y a deux entrées, mais j'y vais pas. Et là, faudrait monter. Ah, c'est plus loin à l'entrée. Ok. Je sais qu'il y a un endroit où je me suis fait martyriser. Merde, il y avait un trou. Mais je sais plus où il est. Et c'est peut-être là. Oh, que oui, que c'est là. Voilà. C'est cette salle que je voulais, moi. On n'est jamais arrivé au bout. Pardon, je suis jamais arrivé au bout. Mais là, avec le saut, le double saut, pardon, ça devrait mieux le faire. Non, pas du tout. Ah, le noob. Ok, c'était là où on bloquait. Bon, on bloquait même avant, mais... Ah, ouais, là, il n'y a plus rien. Si, il y a du mana. Qui dit mana, dit points de vie. Les points de vie, c'est bien. On aime les points de vie. On aime ça. Et maintenant, faut avoir du skill. Ok, on a réussi. Voilà. Je savais qu'il nous manquait quelque chose ici. Ah punaise, quel boulet alors. Voilà, tout ça pour ça quoi. Je veux vérifier un truc avant de me barrer de la zone. En vrai, je risque de prendre le métro. Je sais pas, attendez. Parce que le bassin ancestral. Eh non, y a pas de. Y a pas de larve aux merdes. C'est pas grave, on s'en va comme ça. Hop! Mais je savais qu'il y avait une zone par là que, qui m'était. Où j'en avais vraiment, mais bavé, quoi. Pour être très poli. Le bassin ancestral, est-ce qu'on a tout fait là-bas? Je m'en souviens plus du tout. Je crois que oui, hein. Oui. Ah, mais on peut aller dans une autre zone. Ah, j'ai oublié ça. Bon, on va au bassin ancestral. On va au bassin parce que j'ai oublié de faire des choses. Mais où il est, le bassin ancestral, c'est la station cachée, peut-être, je ne sais pas. Bon, maintenant que je... Eh oui, maintenant que je m'en laissais passer. Avant, je n'avais pas de laisser passer. Oui, la station cachée, c'est bien ici. Ah, je me suis fait mal. Ok. Ok. Ok, ouais. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Je ne me souviens plus. Moi, pas souvenir. Ah oui, ça, là. L'armure blanche, c'est pas ça, la marque du roi? Non, on sait toujours pas ce qu'il faut faire, là. Peut-être plus tard, quand on aura débloqué toutes les... Fait, tous les... Tout... Ouais, les essences, peut-être. Parce que ça a l'air d'être protégé contre l'aiguillon de l'amour et du rêve. Alors, oui, bassin ancestral. Ça serait bien de remonter là-haut. Oh oui, on s'en souvient très bien du bassin ancestral. Vous saviez ce qu'on avait battu, là? Un boss qui était complètement relou. Vous saviez, il avait ressuscité et tout. Ce salopard! Une porte, là?
Ah oui! Est-ce que vous voulez jeter tous vos géos? Non, on le fera à la fin du jeu, on sait jamais. Ça pourrait être drôle, hein. Ah, mais attendez, j'ai un quart de cœur aussi à acheter au marchand. Ah, c'est ça que je veux faire. Oui, je veux insérer mon laissez-passer pour voir si je peux atteindre une nouvelle zone juste en appuyant sur le bouton Go. Genre, on ne passe pas Go et on ne touche pas 20 000 francs. Genre, est-ce que j'ai le bouton allumé? J'ai le bouton allumé. Yes! C'est parti vers une nouvelle zone. Oui! Le métro de l'amour. Alors, quelle est cette nouvelle zone? On est dans les frontières royales. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on devait aussi aller par là. Oh, mais quel heureux hasard! Y a pas de hasard. Je vais quand même mettre. Non, je peux pas mettre ma fente. Non. Je vais pas mettre ma fente, je vais mettre le truc dans la fente. Alors! C'est vrai qu'il y a des petites abeilles ici. Il y a un truc là. Oh, il y a un truc ici aussi. Voilà. Oh, c'est une ruche! J'aime les abeilles. C'est mes copines. Enfin, je pense que là... Ah, la ruche! Ben voilà! Bon, on le sent, le boss abeille ou pas? Ouais, si, on le sent. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi tu fuis? Ah, c'est des ruches portatives. Bon, c'est cool. Sans déconner, on a fait 3 pas dans le monde de la ruche et je l'aime déjà. Déjà parce que j'ai toujours eu un problème avec les abeilles. J'adore ça. J'adore ça, mais je crois que je suis allergique. Et ça me fait chier. J'aurais voulu avoir une ruche chez moi. Et alors, aussi con cela peut-il être, j'adore les abeilles et je déteste le miel. parce que j'ai fait une overdose quand j'étais petit, tout simplement, voilà. Les petites histoires comme ça, c'est toujours sympa, les petites anecdotes pourries. J'en ai fait une overdose de ce miel parce que j'avais mon oncle qui faisait un tout petit peu, mais j'ai bien dit un tout petit peu d'apiculture. Et j'ai eu la toute merveilleuse idée... Et j'ai eu la toute merveilleuse idée de... Oh là. Qu'est-ce que... What the fuck? D'accord. C'est des abeilles foreuses. J'ai eu la toute merveilleuse idée de me mettre en dessous de l'énorme container. Ah, cool, mon banc. J'ai eu la toute bonne idée de me mettre sous le robinet et de prendre... La merveilleuse... substance mielleuse. Voilà. Et donc j'ai fait une overdose et donc j'ai vomi mes tripes. Ce qu'on dirait pas, mais beaucoup trop de miel tue le miel. Alors. Maintenant que... Oh, l'arbre. On va le faire maintenant. Putain, mais c'est des abeilles foreuses, quoi. Décidément. Je me fais violenter. J'aime tellement les abeilles. Je reviens sur le sujet. Le mec, il s'en fout qu'il parle, quoi. J'aime tellement les abeilles qu'il y existe... Il existe un mode sur Minecraft qui s'appelle Forestry. Qui est très, très cool. Qui est très complet et pas forcément un de ces modes cheatés où t'appuies sur un bouton, t'as tout gagné. Qui requiert énormément de farm et où on peut cultiver des abeilles. Faire des associations ADN, des... On peut faire beaucoup de choses. Je vous en dis pas plus. Mais je trouve ça très cool. C'est peut-être mon mode de Minecraft favori. Celui-là est Somecraft. On peut faire de la magie, mais... Enfin, pas de la magie, t'appuies sur un bouton, t'as gagné encore une fois. C'est du farm et tout, enfin... C'est, j'aime pas les modes de Minecraft qui enfin, tu l'installes, tu gagnes le jeu en 2 coups de cuillère à peau. Ça m'énerve.
Faut dire que les abeilles, c'est ce qui nous permet de vivre en même plus d'abeilles que de vie. Plus de vie. Oui. Enfin. C'est... Oui. Résumé comme ça, oui. Didi, j'ai le droit. Non, t'as pas le droit, tu te tais. Alors. Oh, une grosse abeille. Oh là là. Elle est très énervée. Je vais tuer la foreuse d'abord. La grosse abeille me fait un peu peur. Attends, est-ce qu'elle peut foncer là-dedans? Oui, elle peut. Attendez, donc ça veut dire que s'il y a une grosse abeille par là, ça veut forcément dire qu'il y a... Qu'il y a un truc... Ou elle peut foncer dans un mur ou quelque chose comme ça. C'est obligé, sinon il ne nous aurait pas montré que... Regardez! Il y a un truc là, vous pouvez le taper. Je ne talerai pas ma science ce soir. Non, et tu as bien raison. D'accord, bonjour les frontières du royaume. Ah, c'est là où j'ouvre là. D'accord. On n'y est pas allé vers là-bas. Bon, on ira en sortant de la ruche. On va finir la ruche complètement. Ce qui serait une bonne idée hein, en soi. Bon alors, montre-moi ce que tu peux casser d'autre. Ça. Wow. Elle me l'a bien montré. Ah, il y en a deux. Est-ce qu'elle s'entretue? Parce que sinon, c'est drôle. Hein. Wow. Là, c'est par là d'où on vient. Je veux juste me soigner. Excuse-moi, Géraldine, mais... Voilà. Juste en tuer une, de quoi faire. Et toi, ce serait bien que tu viennes avec moi. Hop. On sait jamais s'il y a un mur cassable. Non, il y a rien là. Bon. Mais il n'y a pas de mur cassable pour l'instant, ma cocotte. Ouh! Ah! Fichez-moi la paix, s'il vous plaît. Bon, je sais pas pourquoi je continue à récolter des géos. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pour la petite info, Time the Panda, il va s'en... Ah, oh là là. Trop de choses à lire. Trop de choses à lire. Il faudrait que je me pose dans un endroit pour le faire. Par exemple ici. On fait aussi de la production radio. D'ailleurs, si tu veux un jour qu'on blablate de ta culture manga, ce sera avec plaisir. Rando ici présent pour sur des chroniques plutôt environnementales. Et donc il a bossé un sujet sur les abeilles qu'on va diffuser bientôt. C'est vrai. Pourquoi j'ai pas l'autre côté du mur? Non, ça doit être ailleurs. Car oui. À l'écran, c'est Yakipon qui joue et sous le pseudo Twitch Shiva Sound se cache Jake, celui qui chapeaute un peu tout ce bordel. Oui, pourquoi pas, je prendrai le temps même si je pense être présent tout le temps au rendez-vous. Je pense pas être présent, je pense. T'inquiète, on a tous nos vies. Ok. Ok, bon, ben, je vois que ça fait son petit micmac, tranquille. Bravo, bel état d'esprit. Vive la science, vive la France aussi. Ces abeilles sont un peu reloues. En vrai, c'est sympa, mais les toutes petites, là... La... Ah, une grosse abeille. Est-ce qu'il y a un mur à péter? Je suis encore là-dessus parce que c'est bizarre qu'ils nous montrent quand même... Oh là là. Je sens vraiment arbres qui disent, hey, regardez, les grosses abeilles, ça peut détruire des trucs, mais pas toi, donc... Ah, j'ai pas testé de foncer dedans avec mon dash.
avec mon cristal d'âge. Ah ah! Trouvé! Ma vie aussi, je l'ai trouvé. Genre là? Viens là! Viens là! Voilà, merci. Merci Géraldine pour... Ah, et je peux aller là. Vas-y, j'y vais. Ouais, tout ça, ça va où? C'est mignon, mais... Pff, ça va... Bon, je sais pas. En vrai, il me faudrait une carte, mais je pense pas que le vieux monsieur, il y soit arrivé, donc il faudrait un autre banc, en fait. Je l'ai vu, je l'ai tué, mais j'ai quand même pris un dégât, quoi. Oh là là, j'avais pas vu la petite. Et il y a deux grosses. Oh là là. C'est là d'où tu viens, je crois. Oui, 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 je pense que c'est par là. T'as encore du retard, Ando, c'est fou. Oh là là! Petite chose, je connais ceux de votre espèce. Si vous essayez d'élucider votre passé, vous sachez que je ne... Quoi? Alors sachez que je ne suis pas la reine que vous cherchez. Ce sont les êtres pâles qui sont tenus pour responsables de votre nature. Bien que cette ruche existe au sein d'Alonès, nous ne prenons aucunement part dans sa tentative de perpétuation. Blablabla. Le bon retour à Feral City. Quoi? Qu'est Feral City? Mais de quoi vous parlez? Je comprends même. C'est quoi ça? Le sang de ruche. Alors. Soigne les blessures du porteur sur la durée, lui permettant de recouvrir sa santé sans canaliser l'âme. Alors, c'est plutôt sympa. C'est même super sympa. Ça m'éviterait de prendre le truc pour récupérer ma santé plus vite. La connexion, il y a qui la connexion? Eh ben, écoute. Est-ce que je peux te manger? Je peux. Il y a un gros machin derrière, là, qui me fait flipper. Donc, en fait, dans la ruche, il y avait juste ça. C'est une blague. Non, mais c'est pas possible. J'ai dû louper des trucs. Genre, il n'y a pas un larve aux merdes. Bon, le pouvoir, par contre, est fun, hein, en soi. La régène de vie... Ah, saloperie. Oh. Je vais refaire le chemin en inverse. Ah. Je vais être sûr de rien louper parce que je veux pas partir d'ici. Oh! Putain, mais je... Oh, c'est incroyable! Mais ça, mais qui l'aurait vu, quoi? Larve aux merdes! J'ai une chance incroyable, quoi! J'aurais voulu le faire exprès, j'y serais même pas arrivé. Je voulais juste être sûr, parce que bah, le voilà, le larve aux merdes de la ruche. Hein. Techniquement, les larves aux merdes, là, je pense avoir fait sacrément le tour. Hein. À moins qu'il y en a qui se cachent derrière le... Qu'il y en ait, pardon. Qui se cachent derrière les colonnes noires. Et là, ici, j'y vais comment, là? Il y a bien un endroit où je peux monter vraiment haut. Ah, là, ici.
Mais non, c'est pas de l'autre côté. Si, c'est de l'autre côté. Non, non, il y a... Ah, il y a un chemin qui me manque. Il me manque un chemin. Faut que je cherche. Oh, je suis tombé dessus. Quel con. Genre là, il doit y avoir un truc. Non, il n'y a rien là. Il n'y a pas un chemin pour passer au milieu. Non. Il n'y a vraiment rien. C'est pas possible, comment je peux aller là-bas dans ce cas-là? Parce que là, il y a un truc quand même, enfin... Là, de l'autre côté, il y a un truc. On le voit, on est d'accord. Et comment j'y vais? Ben, je ne sais pas, donc on se casse, voilà. S'il faut, c'est par un autre chemin... Ouf, ça m'a fait peur. Casse-toi, merci. Je vais essayer de retourner au banc avant d'aller vers là-bas. Je sais pas où je vais en vrai là. Le banc était vers là-bas, si je dis pas de bêtises. Il était même là. C'est ça? Dis-moi que c'est ça. Ouais. Ok. Carte mise à jour. Ah, bon, on y voit clairement plus clair. Donc, on a quasiment tout fait. Maintenant, il faut ressortir d'ici. Et essayer de s'en sortir du mieux qu'on peut. Allez, on se dépêche. J'essaie de pas tuer des monstres et juste de me barrer. Ah, dommage. Ouaïe, aïe. Pouaïe, aïe, aïe, pouilloui. Ok, on se casse. Ça passe. Ça passe que l'aim. Que l'aim, Usama. On se tire. Ne me demande pas pourquoi je suis parti sans motif, wesh. C'est nul, hein? On est d'accord que c'est nul. S'il vous plaît, dites que c'est nul. Allez! Retour vers... vers les entrailles. Sans déconner, comment on avait pu le rater? La ruche? Je ne sais pas. Oh, il y a un truc là. Pff, c'est nul. Ok, c'est bon, Ativasund. Ouais. Ativasund. Ivasound. Bonsoir. La grosse mouche des bois. À quoi sert cet endroit? À rien. Bon, je suis où là? Il faut remonter petit à petit. Les grosses mouches partout là. Ah. Et y a pas. Je sais pas où je vais, mais alors j'y vais, mais d'une force. Oh, y a de l'eau moisie là-bas. Sert juste à rien. Il n'y a pas d'autre chemin bizarre. Et là, il n'y a rien. Ah ah! Attends.
Non. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir? Ah, oh, c'est une deuxième entrée de la ruche. Ah, c'est l'entrée qu'on cherchait. C'est bien ça? C'est bien ça. Et il y a quelque chose. Un larvomère de... Putain, on avait dit qu'il nous en restait 5. On était loin du compte, hein. Bim, 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 bim. Ouais. Bon, ben au moins, plein de larvomères de trouver égale moult boulasse encore et encore. Oh, j'ai une idée de fou. On fera ça après. J'aime bien avoir des idées comme ça, je trouve ça génial. Bon, ici on connaît. Ouais, ici on connaît. Et bon, on va essayer de... Avec les bonhommes qui tombaient du ciel, à travers les nuages. Quel représage. Alors, on va où? On essaie d'aller... On essaie d'aller là-bas. On essaie de monter le plus possible. Non, c'est pas là. Putain. Le retour dans le sel. Ah, oh, putain. J'ai oublié que c'était la mort, cet endroit, quoi. J'ai tellement failli mourir. Personne l'a vu. Ne me jugez pas. Je veux juste me barrer. Me mettre dans un endroit un peu plus sécure, voilà. Eh, mais tu me suis jusqu'où, toi? Eh, wesh. Alors, je vais où, maintenant? Ah, c'est au-dessus que je voulais aller. Me dis pas qu'il y a un trait noir au-dessus, c'est pour ça que je n'y étais pas allé. Eh si, je crois que si, en fait. Voilà. Donc je suis remonté ici pour rien. Bon. Comme on dit, les larmes. On va essayer de remonter au banc. Essayer de faire ça. C'est où? Je l'ai vu, hein, la stalactite me tombait juste devant le nez. Vous inquiétez pas, hein. C'est complètement millimétré. Très prévu. Oui, c'est au-dessus. Je suis tombé. Ok, carte mise à jour. Vas-y, montre-moi ce cas. Il y a... Ah! Il y a un endroit où on peut monter. Merde! Eh ben, faut que j'y retourne. Oh, punaise, je tourne un petit peu en rond. Eh, franchement, cet épisode, pas grand-chose de fait. Enfin, pas grand-chose de fait. Je veux dire, par là, pas grand-chose de... De très palpitant, on arrive sur la fin et... On a connu des épisodes beaucoup plus palpitants. Là, pour l'instant... Je dirais pas que je m'ennuie parce que c'est pas vrai, moi je m'amuse toujours, mais... Je peux comprendre que le manque d'action puisse gonfler certains et certaines. Où je vais, là? Dites-moi. Ok. Je tombe dessus. Quitte à être complètement con, autant tomber dessus. Parce que oui, il est 23h29, heure locale. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Attends, il y a un truc là.
Qu'est-ce qu'il y a là? Absolument rien. Donc on y retourne. J'ai fait 2 mètres, quoi. C'est par là où il y avait un truc où je pouvais monter. Ah ah! Et là, on remonte vers quoi? Oh! Vers le bassin. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, s'il me conseille juste de faire ça. On me la fait pas, moi. Larve aux merdes, tananananana. Tananananana. Faut pas me la faire à moi. Où on va là? Ah! Et ça nous amène où? Juste là, très bien. Sauf que... on n'est jamais passé par ici. Attends. Non, y'a rien. Jamais allé là. Qu'est-ce que c'est que ce beans? On avait complètement loupé cet endroit, c'est dommage. Et là, on est où là? Non, mais c'est un endroit qu'on n'a jamais vu, quoi. Ah! Voilà pourquoi. Parce que c'était un raccourci quelque part. Là par contre... Alors attends, parce que... je veux juste vérifier un truc. Non... en vrai je vais prendre la station du roi. Ouais, on va se TP parce que là ça sert strictement à rien que je continue par là. Ok, on va se TP. Ça sert strictement à rien qu'on reste là. Et on va faire mon petit test, parce que franchement, on peut trouver ça très drôle, sans déconner. J'ai un test à faire. Tout d'abord, le banc. Je vais vous montrer. Je pense qu'en une grosse demi-heure, c'est capable. Je peux le faire. J'oubliais d'appuyer sur A. J'ai une idée. Parce que oui, j'ai une idée. Alors, déjà on va acheter notre quart de cœur. On va essayer de vider les... Les coffres, on va dire le stock de monsieur là. J'en salue. Je veux ça, oui. Vous avez acheté un objet, bravo. Il m'en manque un pour avoir un point de vie. Oh, je peux en racheter un. Oh, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Oh, faut qu'on aille voir la grosse. Elle a un emplacement de... elle a un emplacement de badge. Ok. Bon. Ok, donc ça, c'est fait. On va acheter l'emplacement chez madame... chez madame. Tout simplement. Alors, elle est... à Routes Oubliées... je peux prendre le métro. On va d'abord faire mes achats et après je vais vous montrer ce que je voulais tester. Alors, on a dit... Redoublier. Je réfléchis un minimum. Ouais, je sais ce que je vais faire. Alors, est-ce qu'on peut passer en bas? Je m'en souviens plus. Si c'est en bas ou en haut que c'est bloqué. C'est en bas que c'est bloqué. Donc on fait le tour.
C'est bien là, c'est bien là. On court. On se raccroche pas à la vie. On fait du flan avec la nuit. Des grosses qui m'entourent. Des grosses mouches à merde. Alors, oui, c'est là. Impeccable. Elle est géniale. Ah, c'est quoi? Lorsque tu auras 36 charmes en ta possession, je te le vendrai avec plaisir. Il me manque 9 charmes. Madame, vous n'êtes pas très sympa. Alors, par contre, maintenant que j'ai un emplacement, je peux remettre mes ronces. Elles sont où? Parce que les ronces, on déconne, mais c'est vachement cool. Alors maintenant, c'est là le gros dilemme. Soit j'enlève la canalisation rapide et j'enlève un autre truc pour avoir le sang de ruche, qui peut être cool. Ouais. Pff. Soit j'essaie de mettre un truc comme ça, là, de manier... Ah, mais ça fait vraiment... Ouais, pff, bof, pas trop. Alors, maintenant qu'on est là, où c'est que je voulais aller? À un métro. Pour aller à la station de la reine, vous allez voir. J'espère que vous allez comprendre. Coucou Aurès. Ah, il y a Aurès? C'est comme si on disait... Bonjour Madame la République et qu'elle se ramène quoi. Enfin bref. Station de la Reine. C'est parti. Je me suis fait mal. Ok. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Auréséro. Ça fait un palindrome. C'est drôle, mais c'est drôle. Oui, c'est là-haut. C'est drôle, les palindromes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Facebook m'a ravelé le live, j'avais totalement zappé. Et ouais. Regardez. Oh non, une madame. Oh non, je vais déposer. Mon Dieu, c'est long. Bordel, j'ai pas le choix. Limite du sol de 4500, c'est tout? Bon, bah... Pourquoi? Bon. Eh ben tant pis. De toute façon, je pense pas avoir besoin de fric incessamment sous peu. Je vais pas faire de rituel, non? Quel rituel? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Alors, comment ça s'appelle cet endroit? C'est le bassin ancestral. Allez. Voilà. Station cachée. Donner toutes tes boulasses. Oui! On va faire ça. Mais je pensais pouvoir poser plus d'argent. Ça me fait chier quand même de perdre 5800. Hein. Mais bon, normalement, j'ai tout acheté sauf le médaillon de. De la madame, mais je pense avoir acheté tous les... Ah, merde. Je pense avoir acheté tous les badges achetables. Je pense que maintenant, il va falloir que je trouve les... Combien elle a dit? 8 derniers? 9 derniers? Je sais pas. 9? Ok. Eh bien, on est parti. Voyons voir ce que ça fait. Oui! Ah, j'en ai jeté 3000. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, pourquoi pas? Ça m'a donné un objet. Âme monde. Succès déverrouillé. Souverain disparu, nous avons besoin de vous maintenant.
revenez-nous. Bon, ok, j'arrête. Et maintenant, on va où? Ça valait la peine. Ouais, en fait, ouais. Bon, 3000, ça fait quand même cher, mais... Et maintenant, on va où? Ah oui, il faudrait qu'on retourne aux frontières du royaume et qu'on retourne à la station du roi. Pour retourner à la station du roi et qu'on ait des grosses feignasses, eh ben on va se téléporter. Ça, franchement, ce téléport, c'est tellement cassé, en fait. Tu peux tellement finir le jeu plus vite. Allez. Paf, on fait ça parce que c'est gratuit. Ah, par contre, je suis obligé à chaque fois d'appeler la cloche. Mais bon, c'est pas grave. Alors, station du roi, paf, paf, allez, on y va, là, c'est parti. On va essayer d'aller à l'arène, ça peut être bien. Ah, et maintenant que j'ai le double saut ici, je peux y aller ou pas? Hé hé! Un saut de l'honneste, super! Au moins je l'ai fait. Je suis trop fort. Alors, maintenant on va où? On va en bas. Frontière du royaume, il y en a deux. Attends. C'est à laquelle alors qu'il faut que j'aille? Parce qu'ici, là, il y a une zone fermée. Et là, il y a un truc qu'on n'a pas visité. Donc on va là où on n'a pas visité, évidemment. Évidemment. Oh, j'avais oublié ces oiseaux du fion. Oh, ta race maudite. Ah, il y a là aussi. Oh, je peux aller voir les larves, merde. C'est vrai qu'il y a là aussi. Faudrait... Enfin, je peux pas me mettre un... Je peux pas me mettre un checkpoint. Un espèce de gros checkpoint, là. Bon, allez, maintenant on monte. Mais par où on monte? Parce que là, je crois que c'est un truc fermé. Oh, putain, j'avais oublié. Non, ne tombe pas plus bas. Voilà, merci. C'est vrai qu'il y a des mecs qui nous tombent sur la tête, là. On comprend pas trop, mais... Enfin, maintenant, on comprend, mais... il faut monter par là pour remonter là-haut. Ah, j'avais oublié ça. J'avais oublié ce tout petit léger détail. Mais c'est pas grave, on peut aller dans l'eau. Dans l'eau moisie. Allez, on y va. Philibert, en route. J'en ai marre de vous, les mouches, mais j'en ai marre. Il y a forcément un truc caché. Ouais, voilà. Qu'est-ce que... En tout cas, ça le fait bien rire. Mais ça sert à quoi? Mais ça sert à quoi? Juste à taper le cul d'un mec. Je m'en fous de taper le cul d'un mec. Bon, on sait pas. Oh, attends. Y'a pas un autre chemin? Non. Non mais sans déconner, ça sert à quoi? Je m'en fous moi de taper le cul d'un mec. Y'a pas sa tête qui dépasserait quelque part par là? Non? Apparemment non. Et c'est ton sort d'âme. Oh putain, ouais. Ah, j'avais oublié. C'est vrai que j'ai un truc d'âme. Il s'en tamponne comme de l'an 40. Allez, au revoir. Prends pas la mouche, y'a qui, mais non, mais j'en peux plus, quoi. J'en peux plus de vous.
Et tout là-haut, il y a quoi en vrai? Ok. Ah, c'est vrai que j'ai remis ça. Oh, il y a les cœurs bleus. Oh, mais attends, mais on est... Non, ton sort rouge. Quoi? Quel sort rouge? Ouais, j'ai pas de sort rouge, moi. Celui de l'arbre. Je peux pas viser ça en hauteur. Bon, après, ça a tenté, mais... Attendez, je vais voir quand même ce qu'il y a en haut. Parce qu'on n'est jamais venu par là. J'en ai marre de ces mouches. Madame la mouche, vous êtes chiante à en pleurer. Il y a un bruit bizarre. Quoi? Ah! Ah oui, j'ai cassé le jeu. Ah, mais c'est lui! C'est à toi que j'ai chatouillé le cul. C'est Bardon. On aurait dit Brandon, mais bon, c'est pas grave. Ah là là. Alors, non, petite chose, tu gagnes Théréo et tu es à la recherche de savoir ce que ces terres recèlent. Cet endroit, chance cendreux, putain, je vais y arriver. Et la tombe de Wyrm. J'ai entendu dire qu'il a perdu la vie depuis bien longtemps. Mais qu'est-ce que la mort pourrait être pour cet être ancien? Je pense, moi, que c'est une transformation de plus. Ce royaume en perdition est le produit de l'être engendré par cet événement. Et c'est tout? Certains préfèrent que leurs esprits ne soient pas espionnés. C'est assez troublant et envahissant. D'accord, donc tout ça pour ça? Non, il y a un souci, là. C'est dégoûtant ce que tu fais avec le postérieur de ce monsieur en passant. Mais j'ai pas le choix! Je sais même pas à quoi il sert. Est-ce toi qui joues avec ma queue? Oh merde, alors si en plus on joue avec sa queue. Mon repos est quelque peu perturbé, mais je trouve cette sensation pas désagréable. Non, c'est une blague. C'est un gros troll. C'est la marque de Wyrm que tu portes là. Est-ce le changement que tu cherches? Ou peut-être souhaites-tu sauver ces ruines? Ce choix t'appartient, ce sont toujours des petites créatures qui tentent les plus grandes choses. Mais attends, mais il me dit plein de choses, lui. Dis-moi en plus. Mais dis-moi où c'est que je dois aller, ce que je fais. Non? Dis-moi d'autres choses. C'est tout? Bon. Bah au revoir. Bon, mais il m'a pas servi à grand chose, monsieur Tapcu. Ou Tapcu, en l'occurrence. Bon, tant pis. On bouge. Pouillou, je voulais juste écrire ça. D'accord, ben Pouillou à toi aussi. Non. Ne tombe pas jusqu'en bas, imbécile heureux. Ah. Non. Ah. Où on va là? Mais où on va? Dis-moi. Dis-moi si je dois partir ou pas, dis-moi. J'ai loupé plein de trucs de ce côté, mais genre tellement. Ouais, j'ai loupé des mouches à merde. Voilà ce que j'ai loupé. Ah ah! C'est mouche, c'est mouche. Mais c'est mouche. J'étais un champion, je ne mourrais pas ici. Oh putain. Est-ce qu'on redescendrait de ce côté? Pour vérifier la théorie qu'il nous manque pas de choses. Ah, putain. On dirait
dirait que je peux dasher. Bah non. Je suis où là? Je suis encore assez haut. Ok, donc ici il y a vraiment que dalle. Très bien, on remonte. Désolé pour le contretemps, messieurs dames. C'est juste que j'aime bien. Oh putain. Est-ce que je peux tous les... Ah, je suis obligé de passer par là. Et là maintenant. Oh là là. Ah, putain de con. Ça pour un affrance. Ah, et les orances d'ailleurs, vers qui faut les filer? Parce qu'on les a pas. On les a pas vendus, eux, par contre. Bonne question, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Puyo Puyo versus Tetris. Oh là là. Oh, le fameux Puyo Puyo. Oh. Oh non, pas toi. Oh la vache, j'ai eu du bol encore. C'est quoi, un journal de voyageurs? Oh, une idole, super, ça fera de l'argent. Mais c'est vrai ça, les os, à quoi ils servent? On verra plus tard. Enfin, plus tard, quand on pourra. Bon, on est où là, en vrai? Oh, je suis quand même allé dedans, mais quel con! La grotte à droite de Dursmoot, au-delà du cimetière, cette caverne abrite confesseur Gigi, qui, en retour d'un affront, peut inviter l'ombre du joueur. Ah! Ouais, d'accord, c'est lui qui prend les orances. Ok. Ça sent pas du tout la recherche Google, hein. Genre pas du tout, je vois pas de quoi vous parlez, moi. Ok. Vu qu'on l'a jamais essayé, on savait pas que c'était lui qui voulait des oranges. Ou alors il nous l'a dit, on a complètement oublié. Je pense que c'est plus vrai comme... Alors attends, on est où là? Ah, c'était là où on était dans le truc qui servait à rien. Et on arrive près de l'arène. On est à l'arène. Ouais. Oh merde, il y a des gens morts. Ah ah, je vois qu'un autre guerrier a trouvé son chemin vers notre magnifique Colisée. La destination finale pour tous ceux qui sont à la recherche de combats intenses et fatals. Tout ce que vous avez à faire est de placer votre marque sur le tableau de l'épreuve de votre choix. Et voilà, les portes de l'arène s'ouvriront. Il y a de faibles frais à payer pour chaque épreuve, mais je suis sûr qu'un combattant aussi habile que vous aura assez accumulé. Vous aurez... Oh là là, aura accumulé une petite fortune de jour. Par contre, avant de dégainer votre aiguillon et de vous précipiter au combat, laissez-moi vous offrir un petit conseil. Il y a une fosse de guerriers juste en dessous d'ici, où d'autres comme vous attendent leurs épreuves. Je vous conseillerais fortement de vous y rendre pour vous reposer un peu avant de placer votre marque. Oh, et sachez que je suis moi-même un guerrier redoutable. N'allez pas me juger à cause de ma taille ou à cause de mes limitations. Le Colisée nous appelle tous les deux, je serai bientôt de retour au combat. Faites une contribution pour participer à l'épreuve du guerrier. Oui, je participe. D'accord. Et si je veux payer les autres? Je peux payer? Non, faut passer l'autre pour... Ok. C'est quoi ça? Oh là là, spoil, il y a trois portes avec une serrure simple. Il y a trois clés simples en jeu. Une à acheter, une dans la cité des larmes, compliqué à expliquer. Et une dans le bassin ancestral, dans le cadavre d'un serviteur royal. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut. Oh non, pas toi.
C'est tellement pitoyable d'être coincé ici au lieu de poursuivre ma quête. Je suis venu dans ce royaume pour tenir une promesse et c'est exactement ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu veux, petit ver? Es-tu venu de manquer de moi? Oui, bah tous les jours parce que t'es con comme une. Hein? Ok. Oh, on peut s'asseoir tranquille au KLM. Ok, bon, on a débloqué l'accès au Colisée. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, ça sert à quoi? On voit des gens mourir, très bien. Ah mais je sais plus moi lesquels j'ai eu de clés, vous êtes mignons vous. Salut! Ah c'est Tiso. Pas une créature, alors toi aussi tu l'as trouvé cet endroit parfait, je vais bientôt entrer en combat. Je prends juste un peu de repos. Bien qu'il en existe que très peu pouvant vraiment me défier, j'espère que cette arène présente le genre de défi brutal que je recherche. Non mais sans déconner, je sais même plus où c'est que je l'ai prise ma... La clé, je sais qu'on en a trouvé une, ça c'est sûr, mais... Mais j'ai aucune idée de... Bon, attends. Un tableau pour... Ouais, vas-y, j'y place ma marque. Et maintenant, on peut aller se battre? Mais je sais plus, moi, où c'est qu'il y a une clé. Dans le bassin ancestral, dans le cadavre d'un serviteur royal. Je crois qu'en fait, celle qui me manque, c'est celle à la cité des larmes, sans déconner. On va dans l'arène. Ok, bonjour. Le Colisée des fous. Et alors, je vais me battre contre quoi? D'accord. Contre des... Contre des gens. Ok. J'aurais dû mettre le truc de miel, je pense. Mais c'est des nouveaux monstres, en fait. On peut même plus soigner tranquille. Allez, descendez tous de là et on va voir ce qu'on fait. Ok, pour l'instant ça va. C'est pas très compliqué. En même temps, c'est le premier. Ok, donc toi t'envoies des haches. Et tu es déjà mort. Ok. Je me disais aussi. Non, pas vous! Pas les mouches de la mort! La muerte en espagnol. C'est quoi là en dessous? Ok, on peut plus aller en bas. Je l'ai envoyé dans les choux, l'aile. Oh là là. Je suis un peu concentré, désolé si je pleure pas beaucoup. J'ai pas envie de mourir en vrai. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que c'est? Oh non! Sans déconner! Oh, putain. Ah oui, en fait, ça déconne zéro le Colisée. Bon, toi, tu viens de te suicider, c'est pas grave. Et bonjour! Ok, les mouches, c'est terminé. La musique, elle est énervée, mais je sais pas ce qui se passe en vrai. Ok, fallait que je m'en prenne un. Oh merde, pas ça! Oh, je me souviens tellement de ce boss.
Ah, je suis tombé. Ah! D'accord. Oh putain. Merde, j'ai fait un double saut sans le faire, sans faire exprès. Bon, on va se soigner, hein, vu que... Ok, cool. Ça, c'est fait. Est-ce que c'était le boss ou... j'ai fini? Non, apparemment non. C'est reparti. Ok. Ah ! Là, je prends cher. Comme la chanteuse. Oh, putain. Casse-toi, toi. Cela, c'est le plus facile à tuer. Faut que je me soigne, faut que je me soigne, faut que je me soigne, faut que je me soigne. J'en ai marre des mouches à merde! Oh putain. C'est la mouche qui va me tuer, quoi. Salope de mouche! Ok. On se casse, on se casse, on se casse. Ouh! C'est compliqué les arènes en fait! Paf! La suite. Mais pourquoi je recommence? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je peux pas sauter. Ok. Ouais, je peux pas beaucoup sauter. Oh putain. Elles sont bien reloues en plus. Elles explosent à la mort aussi, je le sais. J'aurais peut-être dû mettre le miel en vrai. Ah, je sais pas. Bon, tant pis. Oh la vache, c'est quoi ça? Ah si, on l'avait déjà tué, ça. Ça va sauter dans tous les sens, non? Ouais, voilà. C'est complètement con, ce boss. Ok, c'est peut-être complètement con, mais ça me fait mal. Soit dit en passant. Ok. Pendant l'animation, on récupère notre vie, hein, parce qu'on a que ça à faire. Encore? Mais ça dure combien de temps? Ok, donc là, ça a l'air vraiment d'être un boss. J'ai peur. Oh non, pas toi! Faut vraiment que je te foute sur la gueule? Ah ouais. Bon bah c'est parti. Tu es nul! Défends-toi, fais un truc, pauvre con de merde! T'es nul, Zot, t'es nul! Ah! Et j'ai un cure-dent, lol! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il est nul ce bonhomme? En moule de boulasse! Oh là là, j'ai eu guerrier, j'ai eu autre chose, j'ai eu deux succès. Non, mais je... Et j'ai eu quoi là? Oh! Un emplacement de charme! Mais c'est trop bien! Et c'est bon, je peux me barrer? Oh oui. Oh, je peux te martyriser à mort. Vas-y, dis-moi ce que tu penses là. Poursuis ton chemin, petit vers les fils, de peur que je ne t'humilie davantage. Et là, y'a quoi? Y'a rien. Bon, on peut partir. Eh bien, je pense que je vais arrêter là. Je sais pas. J'aimerais bien en faire un autre, mais bon. Ravi de vous revoir. Oui, oui, je paye les boulasses. Ah, ça serait bien d'aller voir les larves aux merdes avant de partir, c'est pas faux. Ça, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est vraiment bizarre. Non, y'a rien. Y'a un emplacement, je vais voir ce qu'on va mettre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'ai envie de tenter le...
le miel, en vrai. Juste pour... Oh, mes cristaux, ils sont tout beaux. C'est tout joli. Alors, je suis tombé parce que voilà, je suis nul à chier. Non, je voulais voir ma carte. Je veux voir la carte. La carte. Ça serait bien d'aller à la station du roi. Mais il y a vraiment une clé à... Voix d'Akuro, c'est joli. Ah, moi, je trouve ça joli. C'est vrai que c'est joli, c'est joli. J'aimerais bien savoir où est la clé, en vrai. Bonsoir. Parce que... Je sais plus, faudrait regarder tous les épisodes et là ça risque d'être un peu long. Sans déconner quoi. Elle est où la clé? Parce qu'il y a vraiment une porte que j'ai envie d'ouvrir sans déconner. Je sais pas où elle est. Et ça m'énerve. Et j'aime pas les trucs qui m'énervent. Non, je veux descendre. Mais il y a un truc là. Il y a un journal. Ah ouais. Putain, je l'avais jamais vu quoi. Ah, regardez, mes points de vie se régénèrent. Bon, ça met 8 ans par contre, hein, mais bon, ça peut le faire. Ah oui, ça met bien 8 ans en vrai. Je comprends pas, j'ai des demi points de vie ou... Ah non, c'est vraiment... Ah ouais, mais c'est super long. Alors, oh là là. Ah, c'est tellement long. Est-ce que je peux me régénérer? Je peux quand même me régénérer si j'ai le temps. C'est déjà pas mal. Bon, attendez, on va... Oh là là, mais attends, trop de spoil, tu le spoil, là. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Il existe 3 emplacements dans le jeu qui peuvent être ouverts à l'aide de clés simples. L'entrée des voies d'eau royale, c'est fait. De la cité des larmes, ça c'est fait. La grotte à droite de Dirtmoot, au-delà du cimetière, c'est quand même un abri. Oui, ça c'est fait. La maison du plaisir, c'est une blague. C'est celle qu'on essaye d'ouvrir. Contenant Hot Spring, je sais pas ce que c'est. Poggy Thorax et chanteuse Marissa, c'est aussi le refuge de Millibel. Allez, on l'avait libéré, Millibel, non? Une fois à l'intérieur, un raccourci peut être ouvert vers une source chaude. Un puits d'ascension menant à la cité des larmes au repos éternel et permet également un accès facile à la partie royale, supérieure des frontières du royaume. Comment l'acquérir? On peut en acheter une, oui. On peut entre... Quoi? Un printemps chaud, quoi? Mais putain, je comprends. Hot Spring, oh là là. Attendez, je comprends plus tout, là. On peut en trouver une dans la cité des larmes, dans la grande salle gardée par des sentinelles ailées. Et racines de chuchotement, mais quoi? Attendez. La clé est située dans l'une des alcôves à droite de la pièce. Mais quelle pièce? Bon, attendez. On va aller voir les larves aux merdes. Molurque, ça me dit quelque chose, en fait. C'est ça qui m'emmerde. Hop. Bon, on va fouiller ces deux endroits. Oh, oh oui. 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 Ah, super, un peu. L'idole du roi. Super, merci. Bon, il nous en manque combien, là?
un. Il nous en manque un, voire deux, si là derrière lui il y a un trou, quoi. Il en manque deux. Bon. Alors, sortons notre carte et voyons. Oh là, attends, on revient plutôt. Oh oh! Non, il redit pas. Alors, tu m'as dit. Oh là là. On peut trouver. On peut en trouver une dans la cité des larmes. Dans la grande salle gardée par des sentinelles ailées et racines de chuchotement. Mais c'est quoi racines de chuchotement, quoi? Oh, racines murmurantes. Attends, elle était où cette grande salle? Est-ce que c'était pas celle qui est en plein milieu de mon écran où il y avait un arbre? Je sais pas si c'est celle-là ou celle-là. Donc imaginons c'est là. On peut en trouver une dans le bassin. Non, c'est pas le blabla. Juste en dessous des entrepôts de la cité. Mais c'est où les entrepôts de la cité? Dans une alcôve à droite. Les entrepôts de la cité. Oh putain, je sais où c'est. Enfin, maintenant, faut que je recherche bien comme il faut. Mais je sais où c'est, les entrepôts de la cité, c'est pas difficile. C'est une... C'est une... Comment ça s'appelle? Une station de métro. Entrepôt de la cité. Paf! Alors, c'est en dessous des entrepôts de la cité, la clé est située dans une des alcôves à droite de la pièce. Très bien. À droite, c'est de quel côté? Là-bas. Alors, là, non. Alors, c'est en dessous, mais bon, on peut quand même regarder. Les entrepôts, c'est ici, donc on va dans un larveau pour les gouverner et tous. Donc, c'est par là, dans une alcôve, ici. Ou alors, c'est ici. C'est quoi? Dans la grande salle. C'est ici. Donc, c'est dans une alcôve à droite. Ouais, les trucs ailés, ils sont là. Est-ce que c'est là? Ça pourrait tellement être là comme ailleurs. Parce que si c'est là, exactement là, dans une alcôve, c'est exactement ça. Parce que si c'est là, on l'a déjà prise. Ou alors c'est ici. Là aussi. Une alcôve et plus rien. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui, il y a une autre alcôve. Ah, la racine murmurante, c'est là. Et qu'est-ce qu'ils disent de la racine murmurante? C'est la salle de la... La part des sentinelles... Juste en dessous des entrepôts de la cité. Donc ça veut dire que je l'ai prise. Et donc celle qui me manque, c'est à Malurk, là. Et merde. Et c'est où, on a dit, dans... Attends, parce que là, je suis complètement paumé. On va remonter. L'autre, elle est où? Au bassin ancestral. Est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'il y a une station de métro au bassin ancestral? Ah putain, mais c'est où, ça? Parce qu'on est d'accord, les endroits que j'ai visités, là, c'était... Ben, c'était eux, quoi. Enfin, c'est pas... Il n'y a pas d'autre endroit. Enfin, je pense. Alors, on a dit que c'était où? Bassin ancestral. C'est où, bassin ancestral? C'est tout en bas. Et c'est l'enceinte du palais. Ok. Eh, mais je vois pas du tout. Bassin ancestral, donc c'est station cachée. Non! C'est pas station cachée. C'est pas ici, je me suis trompé. Ah si, c'est là. bon, ben, écoute, on est parti pour chercher cette motherfucking clé. Et après la clé, je pense qu'on va arrêter. Hein. Ça fait quand même beaucoup.
C'est pour pas qu'après, pour ceux qui revoient le... Le comment ça s'appelle le... Le chose, là. Le replay soit pas non plus embêté. Parce que mon 3 heures à se farcir dans la semaine... C'est bien, hein, parce que de toute façon, il faut bien qu'on fasse... Faut bien qu'on fasse du stream. On l'a voulu. Moi, j'aime bien. Moi, je peux continuer, il n'y a pas de souci, mais après... question. Ben voilà, on va faire une question. Question du public, s'il vous plaît, réveillez-vous. Dites-moi si ça vous embête, si je continue un peu ou pas. Si je continue un peu, ça serait pour faire... peut-être une arène. Parce que je vois que ça à faire pour l'instant. Est-ce que ça vous embête? Surtout, pas tous à la fois, hein. Calmez-vous. Parce que moi, ça me gêne pas de continuer, en vrai. Bon alors, où c'est qu'il y a une clé? Parce que Malure, qu'il était... Il était au-dessus. Ah, il y a ça, là. Ah, putain, c'est vrai qu'il y avait ça, là. On est où, là? Aïe aïe aïe. Ah, je suis tombé. C'est quoi ça? Oh putain, c'est une blague. Ben là voilà la clé. Oh, mais on était déjà venu là en plus, sauf que j'étais pas allé jusqu'au bout. Ah, oh, quel bouffon. Ça ne me gêne pas, 15-20 minutes en plus, vu que je coupe les pauses. Négatif. Négatif à quoi? C'est... Ah, oh, ça veut tellement rien dire, négatif. Genre, négatif, ça te dérange pas? Ou négatif, je ne veux pas que ça continue. Et oui, voilà. Oh. Mais qu'il est con, celui-là. Ça... Et ils sont où les autres? Ils sont où? Non, cela ne me dérange pas. Eh ben, au moins c'est clair. Putain, alors. C'est pas compliqué. Alors. Maintenant, on va enfin pouvoir ouvrir la maison du plaisir. Y a quoi là déjà? Dit-il d'une voix suave et douce. C'est vrai qu'il y avait rien là. Allez, ça y est. Oui, ouvrir. Oui. Enfin, cette porte est ouverte. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Marissa la chanteuse, une voix pour alléger tous les fardeaux et apaiser tous les esprits troublés. Il n'y a rien. Il y a un ascenseur. Allez, on monte, ascenseur. Attends, ascenseur. Bonsoir. Le journal d'un voyageur. C'est une blague. Ok, maintenant. Non, attends. Tout ça pour de l'argent. Et c'est tout d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Heureusement, on peut monter comme ça. Putain, tu parles d'une maison du plaisir, elle est plutôt grande. Hein. Salut. Oh. Anna France. Génial. C'est vraiment quelque chose qui met... Oh là là. Qu'est-ce que... Maquet, c'est Pokitorax, les cuisiniers. Squink, tu as l'air plutôt maigre, si décharné, je pense que c'est ta seule façon d'être. Après tout, regarde-moi, un énorme juteux gras, huileux, succulent et insecte. Pas étonnant que je sois si populaire. Oui, mais tu es mort. Au revoir.
trop bizarre. Il n'y a vraiment rien là. Putain, j'aurais au moins aimé qu'il y ait une... Enfin, minimum, faire quelque chose, quoi. Et toi, tu dis quoi? Marissa, le décès de la personne. Bon, là, y a rien. Eh ben, elle est plutôt grande, sa maison, hein, la madame, hein. On va se pousser de là, parce que... Et donc ça nous amène où? À la maison du plaisir, d'accord. Non. Oh, cool. Des sources chaudes et un petit banc. Et derrière, il y a un mur à casser. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mur? D'accord. Eh ben, on revient. Ah, parce qu'il doit bien nous donner quelque chose, cette maison. Il y a une chanteuse. Il y a Marissa, la chanteuse. Bonsoir. Bienvenue dans mon spectacle, petite aide. Je suis Marissa, une chanteuse d'une certaine renommée, mais vous aurez du mal à le croire étant donné le triste état de cet endroit. Jadis, des foules immenses se ruaient ici pour m'entendre chanter, puis quelque chose a changé. Mon public, si fasciné par ma voix, commença à partir. J'ai bien essayé de le retenir en continuant de chanter, mais il n'écoutait plus le son de ma voix. Peut-être aimeriez-vous m'entendre chanter, vous seriez le premier à entendre le son de ma voix depuis des siècles. Oui, je t'écoute, je m'assois. Est-ce qu'il faut que je reste, genre, vitam aeternam, ou... Moi, ça me gêne pas, hein, j'ai tout mon temps. Ouais, et maintenant, on fait quoi? Ça m'a saoulé. J'ai peut-être fait une connerie en vrai, mais... En vrai, je crois que j'ai fait une connerie. Cette fois, elle allait me donner un truc, et voilà. Est-ce que ça va être sauvegardé? J'ai peur de... En fait, j'ai envie de relancer le jeu pour voir si j'ai pas fait une connerie. Je vais faire ça. Tu viendrais ici pour la pause de la semaine prochaine, ou pas? Ah! Oui. Attends, je veux vraiment voir si j'ai fait une connerie ou pas, en vrai. Normalement, c'est compté comme je... J'ai rien fait, quoi. Enfin, j'espère. Elle chante. Et merde! Bon, j'ai peut-être fait une bêtise. Eh bien, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, de toute façon? Voilà, voilà. La madame, elle est crème d'ave. Bon, on va retourner... On va retourner à l'arène et... Puis je pense que c'est tout, quoi. Mais oui, je crois que j'ai fait une grosse connerie en vrai. J'espère pas. Bon, il nous reste une clé. On a l'arène à faire. On a la marque du roi, des trucs comme ça. Je sais pas trop. Bon. On fait une dernière arène ou on arrête là? On fait quoi? Bon, on va faire ça. On se le tente. Mais on fera la dernière la semaine prochaine, je pense. Parce que bon, sinon ça va être un peu long. Je sais pas. D'après Google, elle servait à rien. Ben merci bien. J'ai moins de...
de scrupules, on va dire. Oula, c'est quoi cette arène? Non, c'est pas l'arène encore. Allez, c'est parti. Le Colisée des fous, round 2. Oh là! Ça, c'est fait. Des mouches! Ça faisait longtemps. J'adore les mouches. Oh là, ce moustique! C'est les fameux moustiques tigres rouges du Bengale. Ok. Aïe! Salaud! Oh là! Oh non! Bonsoir. Ah, oh, punaise. Ok. Non, pas elle. Oh là, j'ai fait une connerie là. Ah, oh, putain. C'est vraiment un monstre que j'aime pas, c'est ces mouches de merde. Allez, mais crève! Putain, c'est pas possible. Ok, je peux me soigner. Non! Quel con! Ah, il en reste une. Vilaine. Tu vas mourir? Non. Paf! Paf! Biache! Non! C'est tellement gratuit, ces oiseaux de merde! Bon, ça va. Y'avait pire. Oui, c'est vrai, y'a pire. Non! Oh putain, j'ai eu peur. Bon, on va dire que la première étape est terminée. Mais bon, y'en a d'autres. Non, pas ça! Oh, va y en avoir 15 000. En vrai, c'est le moment pour me soigner, en vrai. Ah, il me sautait au-dessus, pourquoi je me suis décalé? Voilà, lui, le temps qu'il arrive, j'ai le temps de me soigner tranquille. Voilà. C'est bien. Ensuite, il y a quoi, là? Oh, putain, non, pas ça. Ok. Au revoir. Ok, qu'est-ce qui se passe, là? Salaud. C'est pas cool, sans déconner là, c'était vraiment pas cool. C'est pas grave. On se calme, on est bien. Alors, c'est quoi? Larvo merde! Non, c'est un faux! Non! Non! Adieu, larvo merde! J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Aïe. Oh putain. Ça aurait été beau si j'avais vraiment esquivé vers le haut. Oh merde, j'ai qu'un point de vie. Vite, 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 vite. Non, mais quel con de merde! Mais putain. Vite, 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 vite. Salut, ça va? Qu'est-ce que j'ai fait, là? Bonsoir. Mais j'ai fait un double saut, putain de merde.
Non, mais je dois monter. Mais quel con. Oh non, je dois faire... Je dois faire un fight en l'air. Oh non. Ça, c'est vraiment pas cool. Ah! Non mais non! Je vais mourir en fait. Oh là là. Eh, dommage. Oh la vache! Mais c'est super difficile! Elle est où mon âme? Ah, je sais, elle peut peut-être être là. Elle est où mon âme? Mon âme? Elle est où? Non, ça me plaît pas, elle est où? Géraldine? Ah, t'es là, Géraldine. Oh. Ouf. Bon, on va s'arrêter là, on le fera la semaine prochaine, hein, ça va être long. J'ai pas envie que ça soit trop long non plus. Bon, ben... On a pseudo bien avancé, on n'a pas fait autant de boss, autant de pouvoirs que la semaine dernière. On a trouvé des choses, on a débloqué des trucs. On a eu des quarts de cœur, 2-3 badges, allez, bon. Bon, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, le gros bisou, tout ça, et n'oubliez pas de nous suivre partout sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, le petit TS et tout ce que vous avez vu tourner en bas, à gauche de votre écran. Allez, sur ce, la grosse bise et à plus !